Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Salut à tous et bienvenue dans un numéro exceptionnel du WFC. C'est la fin du jour le plus long, comme on est là à l'appeler, le dernier jour du mercato. Ça y est, on est dans les dernières minutes, les dernières heures. On va vivre bah, du coup les 30 dernières minutes de ce mercato ensemble. On s'est dit c'est mieux d'arriver un petit peu plus tard, déjà parce qu'il y avait le match de l'OM. Bien sûr. Et aussi parce qu'on va prendre le temps de débriefer un peu plus ce qui s'est passé aujourd'hui, au lieu d'être là à surveiller la moindre finalisation en cours. Surtout que là, tous les dossiers un peu chauds du jour sont déjà finalisés. Donc voilà, on va pouvoir prendre le temps de revenir là-dessus. Voilà, salut à tous les copains qui vont être avec nous ce soir. Évidemment, soirée spéciale Mercato. Évidemment, il y a ce Nantes-Marseille. On vous tiendra au courant de l'évolution du score, si évolution du score il y a. Et vous l'avez vu, un plateau bien gardé pour m'accompagner. On va commencer par Monsieur Mercato, c'est Nabil Djellit. Comment il va, Nabil ? Salut à tous. Très heureux d'être avec vous. En plus, j'espérais vraiment faire cette dernière avec vous. Ça m'oblige à chaque fois à élever mon niveau d'intensité. C'est vrai. C'est une émission avec un certain niveau. C'est vrai. Y a du bien te challenger un peu. Il y a du beau monde autour de la table. Ça permet de se remettre en cause et puis ça permet aussi de se la raconter, de flamber et de dire qu'ici... Et de se faire inviter au resto aussi. Eh ouais, alors... Ouais, je vais quand même préciser un truc. J'ai croisé Walid à Mr Beef à Boulogne. Et là-bas, il y a des panneaux électroniques là, pour prendre ses commandes. Je ne sais pas si on appelle ça, quoi. Une borne, voilà, tu vois. Et bim, c'est Walid qui est là. Et là, il m'a dit, tu sais, grand seigneur, il était bien accompagné, j'en dirai pas plus. Il n'a pas l'air comme ça, il ne paye pas de mine. Mais charbonne, très bien accompagné. Toi, tu veux que j'ai des problèmes. Enfin, me regarde. Ah merde. Ouais. Bon, il était avec un mec de Taverny. Très sympa au demeurant. Un autre Nabil. Ouais, très sympa. Un autre Nabil. Et là, il me dit, vas-y, prends ce que tu veux. Je me suis dit, putain, bon, bah, 8 assiettes. C'est la classe et tout. Par contre, t'as pris une cibone de 800 grammes. Non, le seul truc, c'est qu'en fait, prends ce que tu veux, mais dans certaines limites. Non, Nabil. Pas de dessert, en fait. Comment ça, pas de dessert ? Il a dit, à un moment, tu vois, je prends des pâtes au saumon. Ouais. Ensuite, je prends une boisson, un soda, tu vois. Et je dis, tu veux un dessert ? Et là, je voulais prendre un tsunami, un tiramisu, pardon. Et là, il a dit, non, c'est faux, c'est pas moi. Je vais coûter 10,90€. Alors, cette émission, c'est la tienne. Dès que t'as une info, tu me coupes la parole. T'es le seul qui a le droit de me couper la parole. Là, j'ai deux infos tout de suite. Moi, j'ai pas le droit. Estupinian, non, mais je termine. Bah, oui, si vous avez une info, vous le d'accord, dites. D'accord, ok. Non, mais Estupinian vient de signer avec le FC Metz. De Brighton Non. Non, justement. Non. Justement. Attention, de Southampton. Bien le distinguer. Voilà. De Southampton. 9 buts en Championship la saison dernière, apparemment. En Championship. Et Bellegarde vient de valider sa visite médicale et il est à Strasbourg pour signer avec les Wolves pour une indemnité de transfert de 15 millions d'euros. C'est bien vendu de la part Strasbourg. C'est dommage et de lui le voir partir dans la Ligue 1, celui-là. Moi, ce joueur-là, je le voyais bien aller à l'OM à une époque. Il y avait Nice qui était dessus à un moment. Nice, ils ont proposé... Jean Rigneur. Mais sinon, tout va bien, Nabil. Quel blaze. Écoute, moi, je suis toujours à la recherche d'une belle histoire. après... Il reste quoi, 25 minutes avant la clôture et tu sais ce qu'on Mercato dit. Non, lui, c'est comme l'Arabie Saoudite, ça dure jusqu'au... Tu sais ce qu'on dit. Le bonheur est souvent dans le prêt, avec ou sans option d'achat. C'est super. Et toi, t'es... Ouais, l'amour c'est sans option, là, depuis... Non, c'est vrai, toi, t'es... Moi, je préfère rester discret sur ma vie privée, parce que c'est... Plutôt long. J'ai l'impression que t'as un style plutôt Pablo Longoria. On voit, on teste, et puis ça marche pas, on revend, quoi. Non, c'est-à-dire que j'ai un style... aujourd'hui, je suis sorti du terrain, je suis un observateur. D'accord. Super. Didier Niembo est avec nous, comment il va ? Bah écoute, très bien. Bonjour, bonsoir, rebonsoir à ceux qui étaient avec nous ce midi, parce qu'on a fait une émission ce midi. On a parlé du tirage au sort de la Ligue Europa, et là, voilà, le rendez-vous, la deadline day, on y est. Il nous reste une demi-heure, même pas de mercato. Pas mal de dossiers, tu l'as dit, qui sont déjà finalisés, et pas mal de choses à dire. Donc non, très content de partager ça tous ensemble. Et excuse-moi, Mboli, le gardien de l'équipe d'Algérie, c'est fait au CR Belcourt, CR Belouizdad. D'accord. Super. Voilà. L'ancien club de Slimani. Alors, t'as le droit de me couper la parole, pas tout le temps. Mboli, c'est comme une légende. Hein. On a hésité à prolonger son contrat. Finalement, il sera encore là pour une saison supplémentaire. Celton Mokolo, comment il va ? Il n'y a que les connaisseurs qui connaissent. Les connaisseurs sont là à 22h30. Bonsoir à tous. Ça va ? Ça va, parfaitement. Très content d'être avec un plateau de qualité. Je dois insister sur ce terme. N'en faites pas trop quand même. Ouais. Ah non, mais j'aime bien vous mettre là un peu de brosse à revue. Et toujours est-il que c'est très bien d'être avec vous pour ces dernières heures du mercato. La dernière heure même. Et pour terminer, Walid Acharchour, évidemment. Tu as une photo aussi. Ouais. Très informé, Walid, parce qu'au restaurant, il s'est un peu lâché. Et ce mec-là, il cache son jeu. Je peux vous dire qu'il a des infos.
Attends, David, c'est où t'es là? Ouais. T'es doublé aussi, ma gueule. Non, je sais. Oh, ça charbonne. D'ailleurs, je peux ça charbonne. Vous dire on est quatre, mais ça charbonne. Je peux vous dire ce qu'il m'a dit. On n'a pas besoin d'avoir des locaux. Si tu veux avoir des problèmes, je peux y aller. Tranquille, et si tu veux que je tue ta carrière, j'y vais. Tranquille, il va bien, celui-là. Ça va super. Salut. Il est en train de t'angoisser, en fait. Ouais, depuis tout à l'heure. Salut à tous. Sur du sabotage. Et lui, c'est sa dernière, il est en roue libre. Salut les Winamis, Walid Acharchour, un mercato de plus. J'espère que les fraudes et les cracks sur le chat vont très très bien. Et j'espère que les supporters marseillais s'arrachent pas trop les cheveux devant le match parce que c'est une catastrophe. Ah, soi-disant, il y a un tir cadré en deuxième période. Ouais, mais c'est un Nabil, en plus, ouais. T'es là mardi prochain. Ouais. Pour un quiz spécial mercato. Ah, t'es là ? Eh oui ! Ah, Nabil, je vais faire un truc. Ouais. Nabil. Je vais aller chez le coiffeur. Nabil, t'as déjà fait des quiz. Ouais. Voilà. Ouais, mais attends, mais lui, c'est une machine de guerre. À droite, à gauche. T'as déjà fait des quiz à droite, à gauche. Ouais. Là, mon grand. C'est en vrai. Là, c'est la jungle. C'est-à-dire la jungle. Là, on va voir si t'es un vrai de vrai. On peut quand même s'exprimer, quoi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Justement. Bien sûr. Oui, évidemment. Nabil, on avait commencé les quiz à Winamax FC, je me rappelle, à la Cannes, etc. Ouais, on au Jelly TFC. C'était vraiment une de mes Cannes préférées. Ouais. C'était 2019, non ? 2019, ouais. Afrique. C'est quoi ? C'est qui avait gagné la Cannes ? C'est l'Algérie. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Eh bien, tu sais que j'étais très heureux d'avoir partagé cette finale. Tu te souviens, là, de la frappe de Bounedjah, là, qui cloche et qui retombe, là ? Ouais, c'était fort. Salut à tous les Winamis qui sont évidemment avec nous ce soir sur Winamax, sur Twitch et évidemment sur YouTube. Simon Ten, Ronan, Mehdi, il y a Cooder Strike sur YouTube. Salut à tous les copains qui sont en direct avec nous. Alors on va vous mettre un petit sommaire. Il n'y aura pas de jingle, pas de générique. On va aller un peu là où le vent nous mène, même si c'est un minimum structuré. Évidemment, il y aura le live mercato. Je vous ferai les 15, le top 15 des officialisations de la journée, mis à jour par mon copain Numa au bureau. Donc voilà. Qu'on se salue Numa. Très régulièrement, on va faire une petite mise salut en Nums. Point là-dessus. Évidemment, on va commencer cette émission avec, ça a été le fil rouge de la journée, c'est évidemment le dossier Kolo Muani. C'est officiel. Kolo Muani est un joueur du Paris Saint-Germain. On fera un petit point avec toi, Walid. Oui, on fera un petit point, ouais. Super. Même deux ou trois, si tu veux. Non, mais t'as eu des infos. Non, mais on va le dire, t'as eu des informations. Payé, Walid, des petites infos. 75 plus 15. D'accord, c'est le pigeon Saint-Germain. On fera évidemment. On est à Paris, c'est une ville où il y a pas de pigeons. On fera évidemment le parallèle, mais aussi le débat croisé avec le cas Ekitike. Oui. Qui a été pendant longtemps lié, puis finalement plus trop lié, puis maintenant c'est un cas à part qui va peut-être se régler au fait qu'il va rester, et on s'inquiète de l'avenir de Hugo Ekitike. Voilà. Ensuite, on fera un bilan de la dernière journée du mercato français. Ça a bougé à Lens, ça a bougé un tout petit peu à Marseille avec Bamo Meite qui a un petit peu à Lyon. Ça peut bouger à Lyon. Ça a bougé à Metz. Il y a Metz, au Havre. Ça a bougé au Havre. Il y a un attaquant. Ça a bougé à Strasbourg. Voilà. Le Havre a son numéro 9. On fera un petit point là-dessus et on terminera avec un mercato, un bilan de la dernière journée mercato euro parce que là aussi, ça a beaucoup bougé. Gravenberch à Liverpool, le Barça qui s'en est donné à cœur Joao. Ouais. Amrabat. Avec The Joaos. Amrabat. C'est pas encore officiel. Non, c'est pas encore officiel. Mais qui pourrait signer. C'est officieux. À Manchester United, on a eu quoi ? Il y a le raté de Palinha au Bayern. La fin de mercato du Bayern, on a eu Cole Palmer qui a signé aujourd'hui à Chelsea. Alors ça, par contre, Cole Palmer, il va falloir m'expliquer. Ouais. Quoi. De quoi ? Donc voilà, pas mal de choses. Bah, le move, c'est incroyable. Quoi. Bon, on en reparlera. Bah, il manquait de joueurs, hein. Fallait étoffer l'effectif. Bah ouais, mais bon, il était là pour prendre la suite de Mahrez un peu, mais on ne comprend pas. Mais voilà, donc on a tout ça en stock et... Évidemment, à chaque officialisation importante, on a ce petit jingle mercato. Est-ce qu'il est prêt ? Voilà. Ils sont... on est réguliers, les gars. Non, la réactivité. Oh, il y a un upgrade depuis... Ouais. Et depuis, j'ai fait le... Quoi ? Non, je rigole, c'est une blague. Évidemment, non. Voilà. Donc, dès qu'il y aura une grosse officialisation, on a l'impression qu'il n'y a pas de gros dossier là, qui pourrait tomber dans les 20 minutes. Ah si, apparemment, Hugo Gumet raconte que notre confrère de l'équipe, qu'à 23h, il y a une surprise qui arrive à Lyon. Ouais, peut-être le retour d'Olas, hein. on va suivre ça, évidemment. Il y a Numa au bureau. Le retour de Sonny Anderson. J'ai mon Fabrizio Romano au bureau qui me tiendra informé de toutes les officialisations. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on commence évidemment par le dossier le plus chaud de la journée. Évidemment, c'est le cas Randall. Pourquoi je ne peux pas mettre le... Voilà. Le cas Randall Kolo Muani. Au Paris Saint-Germain, c'est désormais officiel. Walid, rapidement, si on fait un peu le déroulé de la journée, il devait arriver, il est venu à Paris,
il a passé sa visite médicale, mais Francfort a bloqué, puis c'est Kitty qui a bloqué, bref. Bah déjà, c'est une histoire très très compliquée. On pourrait faire un épisode Netflix du cas Colomoigné au Paris Saint-Germain. J'aurais plus dit un 24 heures chrono. Tu sais, avec le countdown, tu vois, c'est du ça. Heure par heure, comme Ou un 24 heures chrono du côté du Paris Saint-Germain, du côté du joueur et surtout du côté de Francfort. Il y a eu pas mal de péripéties. Je pense que tout le monde a suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu le droit à 2-3 indiscrétions. Oula. Il y a eu aussi le cas Ekitike qui a fait beaucoup jaser parce que à un moment donné, ça a été lié au transfert de Colomoigny. Ekitike qui a reçu une offre à 13h de Francfort. Mais bon, on rentrera dans les détails du cas Ekitike parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense à après. Ce qui est assez surprenant et assez bluffant, c'est qu'en fait, finalement, Francfort accepte une offre qui était celle proposée par le Paris Saint-Germain récemment. On rappelle que mardi, il y a eu une réunion entre Francfort et le Paris Saint-Germain où ça a jeté un très grand froid parce que Francfort a dit c'est 100 millions ou rien et il faut un remplaçant à Ekitike, sinon à Colomoigny, pardon, sinon le deal ne pouvait pas se faire. Et au final, ce qui se fait, c'est qu'il n'y a pas d'offre à 100 millions d'euros net, ça va être une offre on à 60. On va attendre quand même d'avoir tous les détails. Oui, mais enfin, les détails, moi, qui sortent actuellement, c'est du 75+15. Ouais, mais peut-être qu'il y a des pourcentages. Oui, bien sûr, peut-être on verra. Peut-être, ça va peut-être aller plus haut. Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, à 22h42, les bonus, c'est 15 millions. Donc c'est du 75+15. Et surtout, Francfort n'a pas eu son remplaçant à Colomoigny. Ça peut être problématique. Et c'est vrai que c'est une gestion et un revirement de situation assez, assez bizarre parce qu'après que Ekitike n'est pas désiré à aller à Francfort, on pensait que le deal allait prendre du plomb dans l'aile et finalement ça a fini par payer. Mais voilà, que ce soit du côté d'Ekitike où on a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de sur Twitter notamment de supporters, d'observateurs qui ont critiqué la posture d'Ekitike ou la fin de mercato du Paris Saint-Germain. On aura le temps de rentrer dans les détails tout à l'heure, mais en tout cas oui, le feuilleton Colomoigny se termine et se termine plutôt bien pour le Paris Saint-Germain et de la position de Francfort, chacun se fera son avis. Je vous pose la question les amis, est-ce que le PSG a-t-il vraiment besoin de Randal Colomoigny? Vous tapez oui, vous tapez non. Nabil, on a eu voilà, ce dossier Colomoigny qui a été vraiment le dossier de ce dernier jour de mercato. C'est quoi ton ressenti sur tout ce qui s'est passé? On a vraiment eu, là j'ai l'impression, la quintessence de ce qui peut se passer dans un dernier jour de mercato. Oui. Bon, tu dis que le mercato il commence le 8 juin. Tu peux te dire que ce genre de dossier, surtout des dossiers aussi lourds. Alors, des dossiers aussi lourds, c'est rare quand même que ça se fasse sur le cut comme ça. Moi, ce que je me dis déjà, c'est que je voudrais féliciter Francfort ici, devant vous, pour un joueur parti libre. Alors, ils n'ont pas de neuf, effectivement, mais on va voir comment ils s'organisent. Ils ont certainement une idée derrière la tête. Ils ont quand même fait une plus-value de plus 90 millions d'euros, avec ce qu'on a entendu pour l'instant, les bonus, ouais. Voire peut-être plus. Ouais. Ce qui est absolument stratosphérique. Ouais. Pour un joueur qui, je le rappelle, n'a fait qu'une saison, a mis beaucoup de buts en Bundesliga. Comme d'autres attaquants par le passé ou régulièrement. Comme Mateta, par exemple. Il a fait une belle Coupe du Monde et il a fait une belle Coupe de Ligue. Voilà, il a fait une belle Coupe du Monde à partir de la demi-finale. Il a clairement des qualités. Mais Francfort, si je suis Marseille, Lyon, Lille et tout ça, je me dis, non mais... Je convoque les mecs de la cellule recrutement. Bon, ça c'est une autre histoire. Maintenant, Il y a ton micro qui grésille. Ah merde. Je vais donner la parole à Tidiani. Ouais. Juste si tu peux aller faire un petit coucou à la régie, on change ton petit micro. Et là, on n'a rien entendu ce que j'ai dit, quoi. Si, on a entendu, mais ça a été pollué. C'est une qualité qui s'est dégradée. Tidiani, sur l'affaire Colomoigny, donc là, c'est officiel. À avoir aussi ton ressenti là-dessus. Est-ce que Paris a eu raison là d'insister toute la journée? Visiblement, oui. Ça se solde par un transfert à 75+15 pour le moment, de ce qu'on a comme information. Voilà, ton ressenti sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui autour de ce cas. Bah, mon avis, c'est que tout est bien qui finit bien, à la fois pour le PSG qui, visiblement, et pour répondre à ta question, estime avoir besoin de Colomoigny parce que je n'imagine pas une seule seconde qu'un club, quel qu'il soit, le PSG ou un autre, mettre 75 à 90 millions d'euros sur un joueur qu'il estime être facultatif. Donc je pense que sur la question du besoin, le PSG estime que c'est un joueur qui est nécessaire à minima pour rentrer dans la rotation des éléments offensifs, même si
va y avoir quand même une belle concurrence, parce qu'hier, on faisait la liste des joueurs sur l'émission du midi. T'as du Dembélé, t'as du Barcola, t'as du Lee, t'as du Mbappé, Ramos. T'as du Asensio, t'as du Gonzalo Ramos. Donc, c'est quand même un secteur qui va être très, très étoffé et très, très concurrentiel. Donc, pour moi, Kolo Muani gagnant. Il voulait y aller au Paris Saint-Germain et c'est une étape importante dans sa carrière. Tout s'accélère pour lui. Le PSG voulait vraiment le joueur. Ils ont fini par mettre les moyens et ils l'ont eu à un prix qui est, pour moi, le prix du marché par rapport à ce que sont les standards du marché. Voilà, je ne vais pas repartir dans des diatribes sur comment sont fixés les prix. Aujourd'hui, les avancantes, c'est ce prix-là. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ça, c'est les prix du marché. On peut limite estimer que c'est Francfort qui est presque le, je vais pas dire le perdant, parce qu'il récupère un très joli chèque et Nabil l'a dit, une plus-value presque inespérée il y a un an. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre à quel jeu ont joué les dirigeants allemands qui ont finalement récupéré une somme. Max. Non mais c'est une somme en fait que tu retires qui n'est pas pour moi énormément supérieure à celle de l'offre initiale du Paris Saint-Germain et à l'arrivée, non, même si tu as peut-être gratté 5 ou 10 millions d'euros de plus, et bah, tu n'as pas eu le temps de faire ton remplaçant. Et donc, dans ta logique de politique sportive globale, bah, quand tu as vu que Ndika est parti libre, que Kamada est parti libre, bah, je suis désolé, là, certes, tu récupères 90 millions d'euros, mais tu n'as pas le remplaçant. Je crois que tu as Boré aussi qu'ils ont laissé partir dans la même journée. Donc, sportivement, je n'ai pas trop compris. Mais bon, on va dire que pour moi, tout le monde ressort quand même globalement gagnant dans ce deal. On va faire petite alerte mercato, officialisation de Joao Cancelo au FC Barcelone. Ils ont officialisé Joao Félix il y a quelques minutes, juste avant le début de l'émission. Voilà, les deux Joao sont officiellement joueurs du FC Barcelone, on y reviendra. Tout à l'heure, il y a Gravenberch aussi qui a été officialisé par Liverpool. Voilà, les gros dossiers sont en train de se finaliser en Europe. Elton, Kolo Muani. Alors, c'est officiel ? C'est officieux. Parce que j'ai rien vu passer, moi. Ah, mais il a déjà posé avec le maillot. Ouais, il a déjà posé avec le maillot. Il avait déjà anticipé sa vie. Après, Palinha, apparemment, il avait fait la séance photo. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est officieux. Mais en même temps, il va falloir qu'on soit cohérent. C'est-à-dire qu'au début du mercato, on avait commencé une émission, on avait parlé du marché des neufs. Or, quand on parlait du marché des avançantes, on savait qu'il y aurait trois avançantes qui étaient cotées sur le marché. Un, Harry Kane, qui est parti au Bayern. Deux, Osimhen, qui a décidé de rester à Naples et qui devrait prolonger. On l'a fait dire, on l'a décidé de rester à Naples. C'était comme ça. Et le troisième, c'était Kolo Muani. Kolo Muani qui était courtisé, alors, peut-être pas nécessairement en premier choix par le Bayern, on a parlé de Manchester United, on a parlé du PSG. On ne peut pas dire ça au début du mercato et se dire, est-ce que Kolo Muani, c'est un besoin pour le PSG ? On ne peut pas répondre non. On doit dire oui, précisément par souci de cohérence, parce que Kolo Muani, dans cette continuez optique... de répondre à la question, le PSG a-t-il vraiment besoin de Kolo Muani ? Vous tapez oui ou vous tapez non, les amis. Dans cette optique d'avoir un avançant, on savait que Kolo Muani était coté, il avait une cote qui était très intéressante de par sa saison du côté de Francfort, et donc à partir du moment où le PSG avait besoin notamment de recruter aussi bien qualitativement, mais aussi quantitativement, évidemment que Kolo Muani est un besoin. Mais moi, la réalité du deal, moi, il y a deux, trois choses qui m'échappent. Alors bien évidemment, Nabil nous explique que Francfort s'en tire très très bien parce qu'ils ont récupéré un joueur libre l'année dernière. Financièrement. Avec un contrat famélique hein, à l'époque, faut savoir, je vais pas donner le salaire de Kolo Muani à Francfort, mais c'est dérisoire par rapport aujourd'hui à la cote qu'il pourrait avoir. Maintenant, le gros problème en fait, c'est que ce soit du côté de Francfort, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, et que ce soit du côté du joueur, ça fait quand même 15 jours, 20 jours que la situation, elle est assez claire pour tout le monde. C'est que Francfort sait très très bien qu'avec ce qui est en train de se passer autour de Kolo Muani, parce qu'il y a eu aussi des offres, des approches de Manchester United et du Bayern Munich pendant le mercato, et que le joueur était dans une shortlist, qu'on le veuille ou non, pour plusieurs clubs, à un poste qui était et à un secteur qui était prisé, notamment sur ce mercato, pour beaucoup d'équipes. Walid, est-ce qu'il y a 20 millions de différence entre Kolo Muani et Kane que le Bayern a pris? Même ça, c'est autre chose. Alors, je te pose la question. C'est un autre débat. Est-ce que le Bayern, ils allaient mettre 75 plus 15 sur Kolo Muani? Je sais pas. Moi, je suis pas persuadé que toute l'Europe du football est foncée dessus. Mais c'est mon opinion. Moi, je pense que si Harry Kane, il vient pas au Bayern Munich, Francfort fait exactement la même chose au Bayern et qu'à un moment donné, c'est aux alentours de 70. Je suis pas persuadé que le Bayern aille sur Kolo Muani. Ah, moi, je suis. Ça, on le sent. Ça, on va pas refaire le débat. On le saura jamais. Mais pour terminer, moi, mon explication, c'est que donc, du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu cette volonté de faire Kolo Muani. Après, attention, la volonté,
elle n'était pas unanime au Paris Saint-Germain. Il y a eu un côté où on voulait foncer à fond les ballons sur Colomboigny, et un autre où on était beaucoup plus circonspect. Même temps, c'est ça, quand tu as deux ou trois courants différents pour faire le recrutement au sein du club. Je vais pas vous faire un dessin, on regarde bien sur le mercato qui a fait Dembélé et qui a fait Colomboigny et qui a fait Gonzalo Ramos. Je peux dire rapidement, il y a un projet présidentiel. Et qui a fait Barcola, et regardez les deux agents qui sont les deux. Qui sont les deux mêmes agents de Ramos et de Barcola, et le même agent de Colomboigny et de Dembélé. Donc il y a eu cette volonté du Paris Saint-Germain d'y aller. Francfort savait très très bien que le PSG allait venir. Francfort savait très très bien aussi que si Colomboigny allait partir pour une énorme somme d'argent, qu'il fallait le remplacer. Et moi, j'ai pas compris comment il y a eu des revirements de situation pendant toute la semaine du côté de Francfort, surtout qu'en fait, finalement, quand on regarde bien, eh ben, le remplacement, tu l'as pas au final. Et quand on voit que Ekitike, qui était apparemment une monnaie d'échange, ou en tout cas dans le deal, un élément important pour que ça se fasse, Francfort n'est jamais venu sur Ekitike, hormis aujourd'hui à 13h. Donc même sur ça, tu penses qu'il le voulait vraiment? C'est ça en fait le doute. Non, mais moi, tu veux mon avis? C'est que moi, il est très simple. C'est que Francfort, à la différence du Bayern, du Paris Saint-Germain ou de Manchester City, même s'ils ont des ambitions, ils sont pas obligés de gagner le titre en fin de saison. Donc ils peuvent faire plus ou moins l'impasse pendant quelques mois et peut-être recruter cet hiver, peut-être recruter libre aussi à partir de septembre, parce qu'il y a peut-être des possibilités. Ou peut-être que, moi je connais pas leur effectif, peut-être que chez les jeunes, il y a peut-être des mecs qui vont se révéler au poste de neuf, j'en sais rien, tu vois. Oui, mais moi je pense qu'ils se sont dit, il y a le PSG qui se pointe, ils ont sorti Messi, ils ont sorti Neymar, ils ont un maximum de fric, on va tirer jusqu'au bout. Oui, mais ils n'ont pas tiré jusqu'au bout, finalement. Ben moi, je trouve que le transfert, ils ont joué il est énorme. Quand même dans il est jeu, énorme. Nabil, si le PSG ne vient pas au final, parce que moi, les échos que j'ai sur les dernières heures, c'est qu'en fait, finalement, Francfort, ils se sont dit 75+15, c'est... Alors, 75+15 pour un mec qui est arrivé libre l'année dernière, c'est finalement une très, très belle offre. Et que, comme le dit Tidjani, finalement, ils ont joué un jeu dangereux. Parce que le Paris Saint-Germain, au dernier moment, aurait pu dire mais finalement ils auraient gardé Colomboigny. Mais ils seraient pas, ils seraient pas ça. Et dans quel état Colomboigny serait revenu à Francfort? Oui, mais parce qu'il faut savoir que t'as 6 mois, t'as mal à la tête pendant 6 mois, mais à un moment tu te remobilises aussi. Mais dans 6 mois, si Colomboigny part, il part pour combien? Colomboigny 40-50. Mais même s'il part pour 40 ou 50, ils auront gagné 40 ou 50. Oui, mais ils auraient perdu 40 millions. Ils auraient perdu 40 millions. Sportivement, c'était gagnant-gagnant pour eux. Mais Colomboigny, il faut savoir un truc, c'est que il était au fond du trou à un moment donné. Mais s'il vient au PSG, et c'est pour ça qu'il vient au PSG, c'est parce qu'à un moment donné, même le Paris Saint-Germain avait finalement une dette envers le joueur en se disant, attends, le mec, il s'est mis en porte-à-faux, il a fait grève, il est venu, etc. Après, on peut en penser ce qu'on veut, hein, si c'est bien ou si c'est pas bien, mais Colomboigny aurait été vraiment, je pense, pour Francfort, un poids sur les six prochains mois. Et Nabil, n'oublie pas un paramètre, et je vais pas t'apprendre ça à toi qui pratique le mercato depuis des années, mais quand on est sur ces transactions-là, et on a l'exemple avec, par exemple, Guendouzi à l'OM, bien vendre, c'est aussi vendre au bon moment. Oui. Et je pense, personnellement, que là, Francfort devait vendre maintenant, par rapport à ce qu'était la cote du joueur, déjà. On n'a pas la certitude que dans 6 mois, 1 an, elle aurait été de valeur équivalente ou même de valeur supérieure. Et surtout parce qu'après, il y a aussi la condition mentale du joueur qui compte. C'est-à-dire que si tu le gardes les 6 mois supplémentaires, je vais reprendre la parole. Ouais, vas-y. Non, mais termine ton argument. Non, mais en gros, c'était ça l'idée. C'était de dire que bien vendre, c'est vendre au bon moment aussi. Et il y a toujours la valeur théorique d'un joueur, celle qu'on imagine qu'il peut avoir dans l'absolu. Mais quand on achète et quand on fait une transaction, c'est sur la valeur d'un joueur à l'instant T, par rapport à ce qu'est sa condition à l'instant T, pas à N-1, pas à N+2, à l'instant T. Et je pense que Colomboigny, 90 millions d'euros, 24 ans, néo-international, je ne sais pas si d'ici la fin de sa carrière, Colomboigny vaudra un jour plus de 90 millions d'euros. Donc à partir de là, quand tu as un club en plus dimensionné comme Francfort, parce que là on n'est pas en train de parler de deux clubs de standing équivalent. Donc Francfort, c'est sa vocation aussi de, quand t'as un joueur c'est qui leur pousse modèle, hein, de l'emmener et justement de le vendre surtout au bon le nouveau moment. Projet aujourd'hui Conference League, et c'est aussi ce qui a été important chez lui, c'est pour ça qu'il veut partir au Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est que le nouveau contour de Francfort, ils ont perdu trois joueurs qui étaient la colonne vertébrale de l'an dernier et qui repartaient sur quelque chose même et dans l'histoire qu'il raconte et Colomboigny ne pouvait pas repartir de cette manière, surtout que
Colomboigny, qu'on le veuille ou non, moi, j'ai pas apprécié sa grève, etc., sa cavale. Non, on n'encourage mais pas moi, ça. Moi, j'encourage pas ça et je resterai toujours cohérent par rapport à ça. Mais le mec se dit, attends, ils m'ont fait deux, trois promesses, même si ça reste des promesses verbales. J'ai jamais triché, j'ai fait les derniers matchs, etc. Ils veulent pas y aller sur une très, très grosse offre. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu comme un accord en se disant, des deux côtés, bon, finalement, c'est beaucoup mieux qu'on fasse ce transfert-là pour tout le monde. Même si ce qui est dommage pour Francfort, c'est de ne pas avoir un remplacement très. On reviendra sur le cas Colomboigny dans quelques secondes. Le PSG a-t-il vraiment besoin? J'ai une note vocale qui peut être importante sur ce dossier-là. Bah, tu peux la mettre comme ça, tranquille. Non, mais tu te l'écoutes discrètement l'oreille. Non. Bah, on va pas l'entendre. Bah si. Bah non, tu le mets comme ça, tu rentres. Bon bah vas-y, attends. Le PSG a-t-il vraiment besoin? Bah non, mais si, bah, sors, qu'est-ce que je te dis? Le PSG a-t-il vraiment besoin de Colomboigny? Vous répondez oui à 58%, non à 42%. Ce qu'il faut dire aux gens, juste, c'est... Je vais faire un petit round-up, en fait, un petit peu des officialisations de la journée. Il reste 3 minutes avant la clôture. C'est le temps additionnel, là, Thomas. Mercato. Vous me faites à la voix comme ça, si ça vous intéresse ou non, les infos que je vais vous donner. Gravenberch, donc, quitte le Bayern Munich et défendra les couleurs de Liverpool pour les 5 prochaines saisons. Ça m'intéresse. On a été un peu déçus, quand même, de Gravenberch. On est déçus, mais déçus de ce qu'on n'a pas vu, en fait. Ouais. Superbe opération du Bayern. Il est arrivé libre. Hein. Ouais. Non, 18 millions. 18 millions, il repart pour 45. Putain, bien joué. Hein. Ouais, en n'ayant pas beaucoup joué. Exactement. Il va à Liverpool. Ouais. On fera un petit point tout à l'heure sur Gravenberch. João Cancelo rejoint le Barça pour une saison en prêt. Voilà, le Barça qui tient. Ça m'intéresse absolument pas. C'est vrai. Eh ben, on n'en parlera pas, alors. Moi, je suis surpris que ce soit un prêt. Et dans la foulée, João Félix également est prêté une saison au FC Barcelone. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Là aussi, sans option d'achat. Alors, il va falloir préciser, notamment, parce que le Barça, par rapport au FPF, doit faire attention. On parle d'accords verbaux, notamment pour la saison prochaine, si ça bosse bien, que ce soit entre Cancelo et Félix. C'est officiel aussi, Bamo Meïté de Lorient qui est prêté une saison à Marseille. Isaac Touré fait le chemin inverse. Il file à Lorient. Ça aussi, c'est officiel. On parle de Marseille. Marseille vient de faire match nul un partout en jouant 90 minutes. Mauvais match. À 11 contre 10 face à Nantes en étant devant au tableau. Ça fait deux fois que ça leur arrive. Et en se faisant trimballer sur certaines séquences. Ça fait deux fois que ça arrive face au FC Metz. C'était pareil, c'était à 10 contre 11. Ils joueront pas. Alors peut-être qu'il faut qu'ils jouent à 11 contre 11 pour être meilleurs. On en parlera demain de cette contre-performance de l'OM dans le WFC à midi avec Manu, qui sera aux manettes demain sur l'Olympique de Marseille. Luka Jovic, le banni du Real Madrid qui était parti se refaire la cerise. Et qui était à Francfort d'ailleurs. Ouais. Francfort, qui avait fait une saison pas dégueu, je crois. À Francfort, excellent. À la FIO. Ah, la FIO, ça a été un peu plus compliqué. Ouais, j'ai vu passer quelques chiffres. C'est en conférence ligue, il s'est un peu régalé, mais sinon, c'est pas vraiment fameux. Qui s'engage avec l'AC Milan et Divock Origi, lui, qui rejoint Nottingham Forest. Bah, belle opération pour l'AC. Il a bien gagné sa vie, Origi. Exactement. Mohamed Bayo, on en parlera tout à l'heure, qui est prêté pour une saison au Havre, le Havre qui tient son attaquant. Intéressant, cette transaction. Je trouve intéressant. Bah, en tout cas, pour Bayo, c'est intéressant parce qu'il faut qu'il se relance. Pour Évidemment. Le Havre également, qui avait besoin d'un target man, un joueur dans la boîte. C'est un joueur qui est cher. Je suis quand même curieux de savoir comment ils ont réussi à le boucler. Pour parce le qu'il salaire. Il a un gros salaire. Je préfère pas le dire ici parce que je ne révèle pas trop les salaires des mecs. Et je sais qu'il a refroidi plus d'un club. Après, à lui de se remettre dedans. Peut-être que l'intérêt pour Lille aussi, c'était de le prêter, même si ça lui coûte un bout de salaire, parce que si derrière, il le récupère en meilleur état, peut-être qu'au moment où David va filer à l'anglais, de sens Lille, propre comme au figuré. Lille, ils cherchent un attaquant, là, parce qu'ils ont bouclé Braithwaite ou l'autre. Petite alerte Mercato, information de l'équipe, Luc Tanzi, qu'on salue. Le Zénith aurait fait une offre orale de 40 millions pour Hugo Ekitike. Le PSG n'a pas donné suite. Ça sent le roussi, là. Ouais, ça, c'est bien, le 40 millions du Zénith. C'est autre chose pour d'aller jouer en Russie en ce moment. En ce moment, c'est un peu compliqué. Tu vas chercher Passe par là. Fais le tour. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc, Mohamed Bayo tient son attaquant prêté au Havre. On en parlera tout à l'heure. Tchimwe Bakayoko. Ouais, ça, c'est un Signé pour deux saisons. Salut, ça va? Ouais, super. Tu te réponds du chasse. A signé pour deux saisons avec le FC Lorient. Ça, c'est un beau mot pour deux saisons. Ça témoigne un peu de la nouvelle puissance de Lorient sur la Ligue 1 et son attractivité. Sur Donny Van de Beek. Et sur son attractivité. Bon, Van de Beek, c'est comme je racontais l'autre jour à l'équipe,
Tu sais que j'ai été le chercher il y a 3 ans à la gare du Nord là. Tu sais quand c'est il était nommé Ballon d'Or. Il y avait Van de Beek, il y avait comment il s'appelle là. Tadic, c'est celui qui est défenseur central là, qui est très bon là. De Ligt. De Ligt, voilà. Et je peux dire que tu me l'as pas raconté 12 fois, si. Non, mais je vais la voir. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il troll. Ah non, il troll pas. Je te raconte que derrière moi, ça parlait du Real Madrid pour Van de Beek. Ah oui, à l'époque où ils font l'épopée en Ligue des Champions. Allez, on continue ce top 15 des officialisations. Pour Tadic qui m'a proposé de l'argent parce que je m'étais bien occupé de lui. C'est vrai. J'ai raconté ça. Maxime Lopez a été officialisé, il est prêté à la Fiorentina. Voilà. Moi, il se fait ça. Hey. Honnêtement. Avec une option d'achat à 8 millions d'euros. Il se fait un nom. C'est une belle somme. Ils sont même traînés du côté de l'Inter. C'est ça. Dire, quoi. Ouais. Ils ont pris finalement Klaassen dans un autre registre. Mais c'est vrai que ça en parlait pour un échange avec Aslani, l'ancien de Empoli. Sergio Reguilón de Tottenham file à Manchester United, le latéral gauche qui est prêté, de Tottenham est prêté pour une saison. C'est un transfert à déco, le temps que Luke Shaw y revienne de blessure. Autre latéral, ça concerne la France, c'est Nils Nkunku, très très bon l'année dernière en Ligue 2, qui file à Francfort. Ouais. Pour un chèque de 7,5 millions d'euros. Ansu Fati, c'est officiel, il a été prêté une saison à Brighton. Ouais. Il jouera contre l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Le débrief de ce tirage au sort de Ligue Europa est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube Winamax. Clément Langlais, c'est officiel également, il est prêté à Aston Villa. On a aussi, c'était il y a quelques minutes avant le début de l'émission, Boubacary Soumaré qui quitte Leicester et qui s'engage avec le CBFA. Après. Pas mal, ça, c'est un il bon Il était move, temps qu'il se relance, ouais, lui, quand ça, c'est même. Bien, ça. Prêt avec option d'achat. Quand même. L'année dernière, il avait visité les installations de Monaco, mais malheureusement, ça ne s'était pas fait. Des moves surprenants aussi de cet été, c'est Bonucci qui quitte la Juve, qui quitte l'Italie même. Il n'a jamais joué en Italie. Moi, je trouve que c'est un move sympa, ça. Il va à l'Union Berlin, il découvrira la Ligue des Champions. Indésirable pour la Juve, donc il va rebondir à l'Union Berlin. Pas Chelsea. Mal le pouvoir d'attractivité de l'Union. Bah ouais. Hein. Chelsea, on l'a dit tout à l'heure, qui a lâché 47 millions d'euros pour Cole Palmer. Ouais, ça, c'est, par contre, Niklas Füllkrug, c'était officialisé ce matin, un nouvel attaquant de Dortmund. Exactement. Pas mal, je trouve, pour Dortmund de se mettre un autre attaquant. Comment il s'appelle Niklas Füllkrug. Ah oui, le grand là, qui était au Leverkusen. L'attaquant de la Mannschaft à la Coupe du Monde. Profondeur de banc. Profondeur de banc. On parle d'un joueur qui a été quand même référence. Le Racing Club de Lens qui a officialisé Ruben Aguilar, bonne recrue. C'est bien ça. Exactement. 4 millions d'euros. Et enfin, on va terminer par le transfert le plus fou, je pense, de ce mercato. Andy Carroll a signé à Amiens. À la licorne. Il venait de Détroit anglaise à Reading. Il est là à 1 heure de chez nous à jouer à la licorne. C'est con. Moi, je trouve pas ça les bars. Les Andy Carroll à Amiens. Ça vient se tenir. Je trouve pas ça fou. Andy Carroll à Amiens, mais ça fait 10 ans que le mec. Bien sûr. Mais c'est fun. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le nom, en fait, tu te dis Andy Carroll à Amiens. C'est fun, Andy Carroll. C'est sûr qu'après Liverpool, je ne dois pas signer à Amiens. Voilà, oui, mais après. Après, écoute, si tu as envie d'être pisse-froid parce que Thomas, il te dit Andy Carroll, ça fait triper, bah t'as le droit d'être pisse-froid. Ok. Ah ouais, d'accord. C'est pas le joueur qui me faisait le plus rêver. Ah non, ça c'est sûr. Ah non, mais ça c'est sûr. Je trouve que, en fait, dans la Ligue 2, avoir ce mec là, tu vois, cool. ça me fait marrer. Moi. C'est par rapport au proprio, c'est encore John Williams, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Il avait déjà fait quoi, Ganso, Papi Cissé l'année dernière. C'est ça. Ouais. C'est ça. Godos. Comment? Godos. On va revenir sur le Paris Saint-Germain, les amis. Donc là, c'est officiel, le mercato est dorénavant terminé. 23h, on va faire un petit tri. Ça peut continuer à tomber. Mbappé n'a pas signé au Real Madrid. Ouais. Et ça, c'est quand même la grosse info. Ouais. Peut-être qu'on va peut-être lancer une alerte mercato, peut-être pour le dire. Voilà. C'est officiel, Kylian Mbappé n'a pas signé au Real Madrid. Mais tu sais, alors, très important, juste une parenthèse, moi, ce qui m'a interpellé dans la journée, là, j'ai réfléchi, je me suis dit quelque part, c'est-à-dire que c'est comme une équipe solide qui ne panique pas. Tu parles du Bayern, tu parles du PSG, tu parles de Chelsea, tu parles de City, mais le Real. Ils ont enquillé sur la dernière guerre. Je pense pas. Que c'est le mercato estival que j'ai le moins compris. Non, mais ils sont absolument. On fera un petit point dans le bilan Europe du Real Madrid. Le Real Madrid, on leur a prévu une petite partie bien. Juste. Ouvrir un dossier. Non, mais c'est un vrai sujet, quoi, je trouve. C'est lié au Paris Saint-Germain. Je vous donnais l'information de l'Ectanzi tout à l'heure, une offre orale du Zénith de 40 millions pour Hugo et Kitike. Du coup, la note vocale, c'est... Non, c'était pour confirmer les offres. Pour Kolo Muani et la différence, notamment. La dernière offre du Paris Saint-Germain, il y en avait eu deux, c'est 70+10 pour Kolo Muani. Donc, elle a évolué de 75+15. Mmh. Et il y en avait On connaît pas les bonus ?
Est-ce que c'est les bonus? Non, les bonus atteignables. Non, on connaît pas les bonus atteignables. Mais il y avait une offre aussi, 65 plus Ekitike. Le problème d'Ekitike, c'est que Francfort estimait Ekitike à 20 millions d'euros et le PSG estimait Ekitike à 35 millions d'euros. Mais Francfort a raison sur la valeur du joueur, parce que le PSG avait surpayé l'année. Donc voilà en gros les deux dernières offres qu'il y avait du côté de Francfort. Et donc là, elle a quand même un petit peu augmenté, 75 plus 15 et 70 plus 10. Donc c'est aussi peut-être grâce à ça que Francfort a... Ouais, enfin, ils ont quand même beaucoup joué avec le feu à l'arrivée pour une différence de quoi? De 5 millions d'euros? Non, 70 plus 10. Ah, 70 plus 10, ça fait 80. Et Ekitike, si c'est combien? Tu as 70 plus Ekitike? Non, 70 plus 10 et 75 plus 15. Oui, mais l'offre avec Ekitike, c'est 65 plus Ekitike. Donc ça veut dire que tu es à 85. Mais je vais te dire un truc. À peu près. Donc au final, pour 5-10 millions d'euros, ils sont passés. Est-ce qu'ils préféraient pas du cash à Ekitike? Non, mais c'est ça. Ils ont failli sauter. T'as mis le doigt dessus parce qu'à mon avis, comme ils recrutent bien, ils ont des cellules de recrutement qui ont l'air solides. Il ne devait pas croire beaucoup dans Hugo, parce que Hugo, il avait peut-être pas envie d'y aller, mais apparemment, il ne débordait pas dans l'idée de récupérer non plus. Voir aussi, on va en parler justement de... À quel moment Francfort a potentiellement activé la piste Ekitike. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que... Si c'est à 13h aujourd'hui... Et ce qu'on me dit, c'est que le problème aussi de Francfort, c'est que ça achète très très bien, et que ça vend très très mal. Et que je crois aussi que Jovic, je ne sais pas si tu me confirmeras ça... Jovic était parti à 65 millions. Oui, mais quand il part, il y a aussi des petits problèmes sur le départ, etc., au début, pour le Real Madrid, donc... Pour partir de Francfort, c'est jamais une promenade de santé. Ah, ils sont durs en égo. Hein. Ils sont durs en égo, mais souvent. Après, comme ils ont une attitude qui est. Comme Loïc. Exactement. Qui jouera dimanche. Et Ekitike, donc. Je vous pose la question, les amis. Donc, Ekitike reste au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un risque pour son évolution? Vous répondez oui. Ou non. Je vais donner la parole. Hugo, Ekitike. On dirait David Ngog. Ekitike, comment ton ressenti sur la gestion un petit peu ces dernières heures de Ekitike? Je mettrais oui et oui dans le sondage. Parce que en fait, les dés sont pipés depuis le début quand on parle d'Ekitike du côté du PSG, parce qu'on l'a beaucoup évoqué cette saison, à savoir que Ekitike, il y a une confiance qui était limitée par rapport à son utilisation d'entrée à partir du moment où il y avait justement le trio qui était imbougeable. Et donc forcément, ça a entamé sa confiance. Ensuite, il a eu du mal à revenir de la dynamique. On aurait pu penser qu'à la faveur notamment du retour de Coupe du Monde, il aurait pu bénéficier d'un peu de temps de jeu. Il a été notamment buteur contre Angers. Ensuite, on a vu que ça s'est mal goupillé. Arrive cet été où le PSG a pris le parti d'étoffer aussi bien qualitativement, mais aussi quantitativement son attaque, avec notamment deux avant-centres. Gonçalo Ramos, qui devrait être recruté pour 80 millions d'euros, un peu plus de 80 millions d'euros. Et enfin, Colomouani, c'est du 75 plus 15. Donc forcément, arrive Hugo Ekitike, il est victime de la mode. La mode, c'est quoi? C'est pas un truc de rap, ça? Si, si. Tel est ton nom de code? Non, j'ai pas le chanteur, par contre. J'ai pas la ref. Non, c'est MC Solar, mais ils connaissent pas les jeunes? J'ai pas la ref, peut-être. Alors, peut-être MC Solar. Vous connaissez MC Solar? Oui, quand même. Victime de la mode, tel est son nom de code, c'est Caroline, la chanson. Voilà. Donc voilà, on arrive sur Gonçalo Ramos et Colomouani qui font que l'avenir d'Ekitike, notamment du côté du PSG, est quand même très sombre. Parce que même s'il est armé de bonne volonté, même si on peut penser qu'il a digéré une adaptation, dans l'esprit du PSG et notamment dans l'esprit des décideurs du PSG, la dynamique a changé. Encore que du côté d'Ekitike, est-ce qu'il a été à un moment donné vraiment considéré? La réponse, elle est financièrement catégorique. Oui, ils l'ont considéré, crois-moi. Ils l'ont considéré, mais factuellement, sur le plan sportif, au niveau de la planification sportive, ils ne l'ont pas vraiment considéré. Il y a eu un gros chèque quand même. J'ai lancé le sondage, pardon. Ekitike qui reste au PSG, un risque pour son évolution. J'ai lancé le sondage. Et donc, ma conclusion. Est-ce que c'est bon pour le micro? Oui, non? Ma conclusion, c'est qu'Ekitike, dans une optique d'évolution, il a besoin de jouer. C'est un il jeune aurait joueur. Dû partir. Là. Il aurait dû partir. Même il aurait après, dû considérer que voilà, il y a une vie en dehors de Paris. Parce qu'il est pas nul. Il est pas. Moi, je suis persuadé qu'il est loin d'être nul. Non, mais le gros problème avec Ekitike. Non, mais ça peut. Développe. On peut comprendre. Ça peut faire chier de quitter le PSG un an après être arrivé. Mais pour autant, Ekitike doit mener une carrière, une longue carrière. On l'espère pour lui. Ouais, il a les qualités. Et dans cette optique-là, il doit privilégier sa carrière. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, le problème avec Ekitike, c'est qu'encore une fois, quand on parle de considérer le joueur, de respecter le joueur, que ce soit lui ou aussi son entourage,
Que ce soit dans le fait de servir de monnaie d'échange dans le possible deal avec Colomboigny. Ça, c'est le pire pour un foot. Et Samuel Eto'o était monnaie d'échange avec Zlatan, ou je ne sais plus qui, il a gagné la séance. Après, on est là. À un moment, ton ego, tu n'as rien fait dans le foot. Nabil, moi, je suis d'accord avec toi, mais juste pour expliquer la chose, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a un gros salaire. C'est qu'il y a aussi. Mais là, il y avait des options, Walid. Là. On a vu des clubs anglais qui étaient intéressés. Non, mais je te parle par rapport à Francfort, moi. Je te parle par rapport à Francfort et ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment. Francfort, il le voulait. Non, mais sur le fait de considérer, parce qu'il y a eu une offre de Francfort à 13h aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que même eux, de leur côté, sur ce que j'entends, c'est que dans le respect et dans le fait de considérer un joueur, tu veux pas acheter un joueur à 13h le 31 août. Attends, donc même par rapport à eux, ils se sont dit, attends, on va servir de monnaie d'échange au Paris Saint-Germain qui nous veut plus, alors que Luis Enrique nous veut un peu, mais on veut nous dégager pour servir à Colomboigny, alors que l'année dernière, nous, on est venu nous chercher pour 40 millions d'euros, on nous a fait des promesses, alors que nous, on voulait aller aussi peut-être ailleurs, en Allemagne, etc. Non, il n'y a pas question, mais là, c'est qu'une histoire d'ego. Et pour aller dans un club qui, en plus, ne te montre pas une volonté énorme, exactement, parce que bougeant tardivement. Parce que Ekitike, le PSG a envoyé le message à Ekitike il y a 2-3 semaines déjà. Donc Ekitike est sur le marché de transfert depuis 2-3 semaines. Si Francfort le voulait véritablement, quand il y avait eu des rumeurs autour de Wai avant qu'il aille à Lens, tous ces attaquants-là, là on a parlé de Mathys Tel encore aujourd'hui, t'as pas l'impression que Francfort c'était une priorité pour eux, Ekitike. Et ça, le joueur et l'entourage, ils l'ont ressenti. Maintenant, moi, si j'étais de leur côté, moi j'aurais été à Francfort pour jouer au football, mais il y a aussi un facteur économique, il y a aussi potentiellement des commissions, il y a un tas de choses qui rentrent en compte pour ces mecs-là. Ouais. Quand tu as eu, entre guillemets, pas un train de vie, mais un statut, un standing, et moi tu te dis, peut-être qu'en Angleterre, ils vont me donner autant, est-ce que le calcul est bon? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'ils ont pris un risque? Oui, ils ont pris un risque parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, ça s'est très très mal passé avec le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain a mis énormément de pression sur Ekitike, à tort ou à raison. Il va falloir en parler. À tort ou à raison, moi je dirais plutôt à tort, parce que c'est eux qui ont fait des conneries et qui ont donné ce salaire-là à Ekitike. Et qu'on le veuille ou non, sur le côté sportif ou non, mais Ekitike, il a le droit de choisir sa carrière, il a le droit de respecter ses contrats. Totalement. Il a le droit de respecter ses contrats, mais en même temps. Tu prends un risque parce que là, le Paris Saint-Germain qui vient de prendre Colomboigny sans Ekitike dans le deal, si le PSG, ils ont envie de mettre au placard Ekitike comme prévu, ou s'ils ne veulent pas faciliter la sortie d'Ekitike, comme c'est en train d'arriver là avec West Ham, parce que c'est des prêts payants, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent, parce que ce n'est pas un gros montant de transfert, Ekitike va encore avoir sa carrière à l'arrêt. Et ça peut être problématique parce que Ekitike, comme le PSG, comme Francfort, ça fait quand même longtemps qu'ils doivent chercher un club, ou en tout cas trouver une solution pour que ça ne se règle pas le 31 août à 23h13. On a fait le tour sur Hugo Ekitike. Walid en a parlé très très rapidement, mais moi c'est vrai que j'ai trouvé assez ingrat la façon dont on est tombé sur le joueur aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux par rapport à certains commentaires qui se sont un petit peu émus que le joueur comme ça, sur un coup de tête, on convoque le fait qu'ils doivent partir pour faciliter le deal d'un tiers. Je suis désolé, à un moment donné, le mec, il a sa carrière, il la gère, il a ses intérêts, il a ses considérations. Je veux dire, moi, je comprends tout à fait un joueur qui, même si on peut lui faire plein de reproches sur la façon dont il a géré son année, sur le choix du Paris Saint-Germain, on peut discuter de tout ça. Par contre, le fait qu'on arrive et que le 1er septembre, on te demande, entre guillemets, de déterminer ton destin et en te faisant sentir que tu n'es qu'une variable d'ajustement, que ce soit chez le vendeur ou chez l'acheteur, c'est moi je peux comprendre qu'à un moment donné, il y ait une réticence et qu'à minima, ça doive déclencher une réflexion. Et c'est là où je voulais rebondir sur ce que disait Walid. C'est qu'en une demi-journée, c'est très difficile de trancher dans le vif sur la bonne décision à prendre entre rester au Paris Saint-Germain, la décision économique visiblement, parce que sportivement, tu sais que tu vas être loin dans la hiérarchie, et sportivement de l'autre côté, le défi d'aller à Francfort qui te permettra a priori de jouer plus, mais avec un salaire moindre. Moi, je veux dire, c'est un dilemme que plein de joueurs rencontrent dans leur carrière, mais moi, je peux comprendre que, un, t'as pas envie de faire ce choix sous la pression de le faire aussi rapidement, et puis deux, je veux dire, en termes de feeling, c'est pas... On est quand même d'accord pour dire que Ekitike, là, cette année, il va pas jouer. Oui, ça va être très compliqué. Il y a quand même une faute de management dans sa carrière. Non. Il doit pas se retrouver dans cette situation-là à la fin du mercato. Il sait qu'il est indésirable, et depuis très longtemps. Il voit très bien que tout est en train de se faire sans lui. Normalement,
Ah, il est intégré dans la prépa, il joue des matchs. T'as qu'à lire la presse. Il n'est pas dans le loft, il y a 10 mecs dans le loft, dont des stars internationales. Les noms qui sont annoncés, c'est tous des mecs devant. Non, mais ils lui ont dit avec Messi, avec Neymar, avec Verratti et tout le tralala, qui devait prendre la porte. Donc normalement, qu'il ait de la personnalité, du caractère, qu'il veuille s'imposer, pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois. Mais dans un monde normal, quand tu vois ce qui est en train de se passer, normalement, mais depuis 2-3 semaines, t'es déjà plus là. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est un dossier avec beaucoup d'ego aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est que de ouais, mais à 21 ans, mais, et c'est ça. Mais c'est un problème. Mais c'est un problème parce que là, en fait, on parle d'un joueur. On parle d'un joueur quand même qui a 21 ans. Il a 21 ans. Alors, je comprends totalement ce que tu dis. Moi, je suis pas là pour comprendre. Non, non. Mais ce que je veux dire, quand tu parles d'ego avec tout ce que Kitike, j'irai à Francfort. Avec ce que tu nous as dit autour du cas Kitike, l'ego machin, les bisbilles entre je veux un peu d'argent, je veux de machin. Je veux croquer la manine. Là, on parle d'un footballeur quand même. Ouais. Et ce gamin-là, avec tout ce qu'on a pu dire de bien à Reims et tout, on a été très surpris qu'il aille au PSG par cette somme, par ce salaire, que ça pouvait bloquer pas mal de choses à l'avenir d'avoir un aussi gros salaire. C'est le cas aujourd'hui. Oui. Mais par contre, là, le gamin, il va passer 2 ans sans jouer. Oui, mais la réalité, c'est que, évidemment que c'est un risque énorme et qu'il va le payer. Hein. Ah bah oui, mais il le paye déjà. Hein. Mais moi, je suis là pour t'expliquer le fait qu'aujourd'hui, quand dans les rapports humains, dans l'ego que tu peux avoir entre le Paris Saint-Germain, entre Hugo Ekitike et tout ce que ça comporte autour et les clubs qui le voulaient notamment, Hugo Ekitike n'a jamais n'a jamais encaissé ce qui s'est passé l'année dernière au Paris Saint-Germain. Et pour lui, le voir est une monnaie d'échange à Kolo Muani qui va faire entre guillemets l'effet inverse et partir à Francfort et diviser son salaire par deux. Pour lui, c'est un échec immense. À tort ou à raison, moi je suis d'accord avec toi, Nassim. Tu peux pas guider ta carrière par ton orgueil. Il y a des gens autour de toi qui doivent te rappeler. Ça arrive souvent, ça, Nabil, quand toi qui es assez lié à tout ça, va en profiter. On a une soirée mercato, avoir ton éclairage là-dessus. Tous ces joueurs-là, tu côtoies des jeunes expérimentés, des jeunes joueurs également, que ce soit en France. En fait, je vais te dire. Et ça m'intéresse cette phrase, cette carrière guidée par l'argent, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est récurrent? L'argent, c'est le moteur principal, mais pas seulement. En fait, en général, il y a un truc qui est important quand tu es jeune, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Et parfois, il y a des gens, parce que c'est leur business et qu'ils ont peur de le perdre, parce qu'ils sont concurrencés, parce que les joueurs. Sont très sollicités, très courtisés. Les entourages également sont des portes d'entrée. T'as vu, il lui a rien trouvé, moi je vais lui trouver mieux, etc. T'es plus dans la complaisance, tu vois ce que je veux dire, pour conserver le joueur. Maintenant, un gamin comme Hugo Ekitike, il a 21 ans, il a une trajectoire qui est intéressante. C'est un peu un cadeau empoisonné, on lui fait gagner beaucoup trop d'argent trop vite. Ça, c'est comme ça, c'est le foot d'aujourd'hui, c'est une spéculation sur des potentiels. Mais pour moi, je le redis dans le plus grand calme, il doit être parti depuis longtemps. Enfin, sur ce mercato-là, je veux dire, la première préoccupation, c'est de le sortir très vite. Et il y en a peut-être un autre qui va connaître le même sort cette année. Qui? Qui arrive au PSG. Barcola? Ah, Barcola, pareil. Ouais. Barcola, après, faudra voir, parce que... Faudra voir. Ouais. Mais... Voilà, en fait, il faut avoir des gens qui sont capables de dire que t'es pas bon et que tu remettes en cause, et des gens parfois qui peuvent te dire que je vous propose d'aller à Francfort, c'est pas redoubler en fait. Ouais, on va attendre l'officialisation de Kolo Muani. Ça semble être un contrat de 5 ans. Là, toutes les informations, que ce soit de Saber Desfarges, de Loïc Tanzi, Fabrice Ouzoune se regroupent. Voilà, ça va pas tarder à être le même message et le même mail. Ouais. Hein? Ils ont reçu le même communiqué. Hein, globalement, message groupé envoyé à tout le monde. Pan voilà, c'est fait. Mais voilà, globalement. Pour revenir à Kitike, là. Clos, parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu, on a plein de choses à aborder. Si vraiment c'est une question d'orgueil, je te crois. Ah, mais moi je pense qu'il y a moi je le regarde dans les yeux, je lui dis, mais tu connais Samuel Eto'o? T'as fait quoi toi dans le football par rapport à Samuel Eto'o? Non, mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Je le regarde, je lui dis, t'as fait quoi par rapport à Samuel Eto'o dans le football? Un jour Samuel Eto'o, il a servi de monnaie d'échange, et on parle de Samuel Eto'o. Peut-être le plus grand attaquant africain de tous les temps. Certes, mais déjà, je pense qu'en termes de maturité, on est quand même sur deux trajectoires très très différentes, parce que Eto'o, qui est sur la fin à Barcelone, qui a déjà beaucoup gagné. Non, il y a l'entourage. T'as raison, Nabil, parce que l'entourage, il est censé être là pour te donner les bons conseils. Mais déjà, je pense qu'à un moment donné, on peut aussi responsabiliser les mecs qui peuvent choisir et prendre leur destin en main. Ça peut exister. Je pense que c'est plus facile de le faire
faire quand t'as 30 ans et que t'as déjà, que t'es déjà une référence du football européen comme Eto'o, que là, Ekitike qui est un petit peu dans le creux et qui depuis un an galère. Ah, mais il est pas seul. Non, mais il est pas seul. Enfin, mais si c'est vrai, moi, qu'il a refusé. Je vais rester sur le fait que pour moi, ton ego, c'est plus facile de le dompter quand t'as 2, 3, 5, 6 jours pour, tu vois, faire ton jus de cerveau que quand tu dois le faire en une demi-journée. Et dernière chose par rapport à ce dossier, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est qu'il y a un club qui lui a donné un contrat, c'est le Paris Saint-Germain. Ah, et oui. Moi, ce que je vais rappeler une nouvelle fois, parce que on a raison de le dire, hein, c'est aussi la dimension salariale qui peut-être l'a bloqué et a fait que les agents lui ont dit « reste » et que lui, à un moment donné, il a écouté ses agents. Notamment mais moi, ce systématisme du PSG à être toujours dans ce move de « on prend un joueur ». Ouais. On le paye très cher, on lui donne un salaire très cher, on l'essaye un petit peu, et puis on le lessive, et puis au bout d'un an, on le jette comme si c'était une serviette usagée. Ah, moi, c'est je suis désolé, plus moi, plus à un moment donné, je veux bien qu'on continue de normaliser tout ça. Moi, je trouve que... Et dans le, non, mais dans l'autre sens, après, de temps en temps, les joueurs aussi manquent de classe et mettent leur, comment dire, leur club au pied du mur. Mais là, pour le coup, il y a quand même une récurrence du côté du PSG qui a écrémé un nombre incalculable de joueurs qui se retrouvent à foutre dans l'offre, qui traînent pendant 2-3 ans. Là, t'as encore des Draxler, des Paredes qui étaient dans l'offre, des salaires incommensurables, des indemnités de transfert à 40, à 50 millions d'euros. Et au final, on est là encore à refaire les mêmes débats. Et là, ça se trouve, l'année prochaine, on refera le même avec eux, avec Barcola. Donc, à un moment donné, le club aussi a sa responsabilité dans la situation. Allez, je vous coupe. Le clin d'œil alerte Mercato. Info Hugo Guillemet, qu'on connaît tous ici. Ouais. Il nous parle de l'Olympique Lyonnais. On va parler de l'Olympique Lyonnais dans quelques secondes. L'OL a fait signer Diego Moreira dans les dernières secondes du mercato. Jeune ailier gauche international espoir portugais, 19 ans, prêté par Chelsea jusqu'en fin de saison. En concurrence avec... Il avait été un grand artisan de la victoire de Benfica en Youth League en 2022. D'accord. Ça va être la transition pour parler de l'Olympique Lyonnais. On reviendra tout à l'heure sur le Paris Saint-Germain. Je clôt le débat avec Kiki. Il reste au PSG un risque pour son évolution. Vous êtes tranché, c'est un oui. À 85%. En un mot, très rapidement. Ouais, en un mot, pour terminer ce que disait Tiziani, c'était aussi marrant aujourd'hui aussi de voir quelques réactions de supporters du Paris, du Paris Saint-Germain qui disaient « Je ne comprends pas pourquoi Ekitike ne va pas à Francfort en voulant respecter son contrat et qui disait l'inverse sur Mbappé. » Ça, j'ai trouvé ça cocasse et marrant. Les amis, on est presque 3000 sur le live, 23h23. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On a fait une bonne page PSG. C'est normal, ça a occupé une grosse partie de la journée sur le feuilleton Mercato. On aura le temps de revenir aussi dans les futures émissions. Voilà, on va attendre que Colomoni, ça soit officiel pour clore tout ça. Clore comme à la piscine ? Exactement. Ce que je vous propose, on fait rapidement un petit round-up. Walid, tu n'étais pas là pour le précédent round-up des officialisations. J'étais là. Non, tu étais là-bas. Non, j'étais là-bas. Ouais, mais à un moment donné, j'étais là. Ah, à un moment donné, tu étais là. Il y avait des pêle-mêle et on ne pouvait pas réagir dessus. Et non, tu fais c'est bien, c'est pas bien, je m'en fous pas. Voilà. Juste avoir votre réaction. Ça a été mis à jour par mon ami Numa sur les dernières secondes. Donc, Bela Kotchap de Southampton. Qui file en prêt au PSV Eindhoven. C'est bien. Bela Ketchup, là. Moi, j'aime bien ce joueur. T'aimes bien ? Ouais, moi, ouais. C'est super. Intéressant. Alvaro Odriozola. Ah oui. Retour à la maison. Exactement. Il retourne à la Sociedad. Il devrait être la doublure d'Amari Traoré. Et qui sera la doublure de qui ? On l'a dit tout à l'heure, Gravenberch s'engage pour 5 saisons à Liverpool. Pardon. Cancelo, c'est officiel au Barça, une saison en prêt. Nouveau latéral du FC Barcelone, tout comme João Félix qui s'engage pour une saison en prêt également avec le club Blaugrana. Marseille, ils ont fait un partout face à Nantes qui recrute Bamou Meïté de Lorient. Isaac Touré, le grand défenseur central d'Oulem, fait le chemin inverse. Luka Jovic a signé avec l'AC Milan. Divo Corrigui, lui, part à Nottingham Forest. Bayo qui file en prêt une saison au Havre. On est toujours en France avec Thiemé Bakayoko. Qui signe 2 saisons à Lorient. On a Maxime Lopez qui est parti à la Fiorentina. Bref, le reste, on a déjà dit tout à l'heure. Rien de vous avez vu. Non, vous avez vu. Je vous tiens au courant. Ouais, vous avez vu la rumeur, là ? Quelle rumeur ? Non, média anglais qui vient de dire que Tottenham autorisait Hugo Lloris à parler avec Nice. Oui. On l'a dit, ça ? On me l'a envoyé, mais j'attendais un peu d'avoir des trucs précis. Okay, je me tenais sous le coude. Ouais. Voilà. On en parlait en début de mercato, on disait, je ne sais plus dans quelle émission, ça aurait du sens. Un retour en France. Lloris qui revient en France. Cohérent avec l'info de Schmeichel, on l'a libéré. Ouais. Et Lloris aurait dit non aussi sur les informations à Newcastle. Ouais.
Ah on a dit non à Newcastle. Après, il aurait pris la place. Il aurait peut-être été numéro 2. Non, c'est derrière. Ah ouais, numéro 2. La Lazio, c'était pour être numéro 2. C'est pour ça qu'il a fait machine arrière. Ah, c'était pour numéro 2, là. Bah, Provedel, il a fait une sacrée saison. Ce que je vous propose, c'est qu'on a parlé du Paris Saint-Germain. On reste en France. On fait un petit débat sur Lyon. Donc, on a eu cette information du Google Gamer. On va attendre peut-être l'officialisation. Je ne sais pas qui c'est, ce mec-là. Daniel Moreur. Non, mais peut-être que c'est un bon joueur. Ah oui, c'est une doublure de Tagliafico. Mais on va faire. Non, un Elie. J'ai entendu la dernière gauche. On va faire un petit tour de table. Est-ce que cette fin de mercato-là, avec tout ce qu'on a entendu, Guido Rodriguez, naninana. Comment il s'appelle Akuoku. Krunic, qui est finalement, il n'est pas venu. Voilà. Ils avaient commencé par Skiri en début de. Est-ce que cette fin de mercato, Walid, elle est quand même inquiétante? Est-ce qu'on en dit long quand même sur la situation de l'Olympique Lyonnais? On a eu des noms, ça s'est pas fait. Et on a des noms vraiment moins clinquants. On a eu des noms NON aussi. Ouais, on a eu plus de noms NON que de noms NOMMS. Ouais. Est-ce que voilà, Lyon, ça sent quand même un peu le cacaboudin? Bah, s'il y a un mec qui vient et qui me dit qu'il n'est pas inquiet de l'Olympique Lyonnais, comme dirait Dimeco, j'aimerais bien entendre les arguments. Et vous mettez une note pour le mercato de Lyon, un chiffre entre 0 et 10. Ouais. Sur le chat, c'est tout ça, vous mettez votre note. Je veux qu'on note le mercato de Lyon. Juste, je fais un petit point sommaire aussi pour les 3000 personnes. Qui souhaitent. Pour les 3000 personnes qui sont avec nous, je fais un petit point sommaire. J'ai fait une Illiman Ndiaye. Tu dédoubles, pardon. J'ai fait une Joaquin Correa. Ah, putain, non. Mais on va parler du Barça. On va parler du Barça, on va parler du Bayern, on va parler de qui? On va parler de Marseille, on va parler de Liverpool, on va parler de Mossala également. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Bref, restez bien avec nous. Walid? Ouais. Non, Elton. Non, c'est vraiment Walid. Sur Lyon, tu peux dire que Lyon, ça sent le pâté. Ouais, le pâté. Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Mais oui, voilà, ouais, celui qui est pas. Non, si, ça sent le pâté. Pâté qui avait les parts de l'Olympique. Ah, tu me prends pour un con, quoi. Tu veux que je te fasse. Franchement. Non. Hey. Con, mais quand même. La pâté de. Oui, non, je disais, c'est celui qui est pas inquiet pour l'Olympique Lyonnais. Bah, il va falloir de sacrés arguments pour me convaincre le contraire. On est sur un mercato qui ne devait pas être ce mercato. L'histoire de la DNCG, on a eu du mal à l'avaler. On avait dit que malgré tout l'ombre de Aulas, que Textor n'était pas exempt de tout reproche sur certaines choses, il a eu une communication assez importante, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou même dans des médias où il nous a expliqué que Loukeba et Barcola n'allaient pas sortir. Ils sont sortis les deux, et que quand on voit son recrutement à lui avec sa petite touche là, Jack O'Brien qui est arrivé, la petite touche de Laurent Blanc qui nous découvre un Akuoku là que moi je ne connais pas, et quand dis aux bêtises, mais ils ont fait 5 fois le tour du stade, hein. Non, mais sincèrement, je ne connaissais pas ce joueur, et pourtant j'ai suivi quand même quelques matchs du Bétis, et quand on me dit que, quand les spécialistes me disent que c'est très 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 compliqué, quand on, oui, il y a Nouama qui est l'éclaircie. On va attendre Nouama. Voilà, non mais qui est l'éclaircie, parce que non, mais moi je vais, moi le fait de la tirer, moi je vais sur son arrivée, moi je vais respecter tous les directeurs sportifs en France, ou en tout cas la plupart étaient sur lui, et en disent le plus grand bien. On va respecter quand même les spécialistes là-dessus. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut que ça se retranscrive sur le terrain et surtout dans ce bourbier là. Donc Nouama, et après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, Tchaïtachar du petit coup, Mata du petit coup, mais que ce soit sur le 11, il y a Maitland-Niles, mais que ce soit sur les joueurs qui devaient vraiment apporter une vraie valeur ajoutée. Nouama, à la base, il devait arriver pour une valeur ajoutée, pas pour remplacer Barcola. Bah, je suis désolé, on est très très loin du compte, et que ce soit pour le 11 et même surtout pour la profondeur de banc, où je répète encore une fois, je le dis à chaque fois, aujourd'hui on est dans des matchs de 105 minutes, de 100 voire 105 minutes avec 5 changements. Je suis désolé, c'est pas un effectif conséquent pour les fameuses ambitions que veut Textor notamment. Elton, sur l'Olympique Lyonnais, fin de mercato, est-ce que tu t'attendais à rien. À autre chose. Non, mais évidemment, c'est un mercato qui est inquiétant, et il faut insister sur le mot inquiétant, parce que je vous rappelle l'objectif notamment assigné par Textor, c'est retrouver la Ligue des Champions. C'est un top 4, donc retrouver la Ligue des Champions. Mais une fois que tu as dit ça, est-ce que le mercato, il est en adéquation avec ce possible objectif? Mais c'est un nom catégorique. Mais encore une fois, on ne va pas se mentir,
c'est un mercato en adéquation avec la réalité sportive et économique de l'Olympique Lyonnais. Un Olympique Lyonnais qui, depuis 2020, n'est plus en Ligue des Champions. Oui, mais ça devait pas être le cas normalement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Textor a fait beaucoup d'erreurs cet été. Là-dessus, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Déjà, il a pas ouvert les pièces jointes de ses mails. Année après année, dès que t'es plus en Ligue des Champions, dès que t'es plus en Europe, et ben, au bout d'un moment, tu dois réduire la voilure, notamment sur tes ambitions sur le mercato. Et ensuite est arrivé la DNCG qui a conditionné le coup de grâce. C'était le coup de grâce, ce qui faisait que, pour moi, le meilleur mercato de Lyon, c'était ta capacité à garder tes joueurs. Échec sur toute la Ligue. Et surtout, Elton, pourquoi, en fait, tu dis à la DNCG que tu vas pas vendre tes joueurs si tu les vends? Parce qu'à la limite, si tu... Bah, ça te met dans la merde. Exactement, fait. Parce que si tu les vends... Ah, alerte mercato, les amis, alerte mercato. Sofiane Amrabat est un beau, Red ça. Devil. Ah, ça, c'est bien, beau. C'est bien. C'est beau. C'était annoncé par le compte Twitter de Manchester United. Enfin, avec. C'est un des mercato, c'est un des transferts les plus épuisants depuis 6 ans. Parce que j'ai l'impression que ça en parle depuis des mois. Ils ont enfin réussi. Mais attends, j'ai tout suivi. Il y a eu l'Atlético, Liverpool, l'Arabie Saoudite. À plusieurs reprises. Il avait des accords partout, le mec. Manchester, même Manchester, je pensais pas que ça allait se faire. Il a toujours voulu Manchester, apparemment. Hein ? Il a toujours voulu Manchester. Je sais pas. Enfin, probablement. Enfin, Manchester, ça se refuse pas. Oui, voilà, oui. Mais il était pas loin d'aller en Arabie Saoudite et son frère n'était pas contre. Ah ouais ? Donc voilà. Il y a eu quand même un effet Coupe du Monde pour lui, mais comme tu me disais à juste titre, est-ce qu'il va jouer beaucoup du côté de Manchester parce qu'il y a des clients quand même. Non, mais déjà, c'est très très bien parce que. Parce que c'était un milieu de terrain sous-côté qui avait besoin de ce type de club. De ce type de club, il a fait une Coupe du Monde énorme. Ah oui, il y avait le Barça aussi. Même pour les Marocains, parce qu'on se posait des questions sur la gestion des joueurs marocains, notamment après la Coupe du Monde et la valorisation de ce qu'ils ont fait. C'est bien que le numéro 6 du Maroc aille à Manchester United. Maintenant, est-ce qu'il va jouer ? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est un mec qui a du cœur, du courage et qui se bat. Et qui est un bon joueur. On en reparlera dans le bilan spécial Europe qui va apporter à Manchester tout à l'heure, mais voilà, je voulais vous informer. Non, on est dans le. On essaye d'être au plus près du live avec le. Mais juste pour terminer, on revient sur Amrabat. On revient sur Lyon, les copains. C'est que sur la DNCG, pourquoi tu vas nous expliquer que toi, contrairement à Aulas, tu vas pas vendre tes joueurs pour te bloquer sur la DNCG, et derrière, avec l'argent que tu as récupéré sur Loukeba et sur Barcola, tes pieds et poings liés et tu peux même pas travailler en amont. Si tu avais dit à Mathieu Louis-Jean et à son équipe, hey, les gars, nous finalement, on va les vendre les deux, mais vous allez avoir 90 millions d'euros ou un peu moins pour retaper un effectif, mais on n'en serait pas là aujourd'hui, mais les mecs. Ah ouais, Walid, si tu mets les deux ventes de joueurs dans les documents que tu présentes à la DNCG, peut-être que la DNCG a aussi une lecture et un verdict différent qui conditionne totalement ton été d'une autre les gars, façon. Ça se ils ont chié. Là, en fait, non. Tu te rends compte que ils ont chié, ça a merdé. Dis-le, ils ont chié. Administrativement, sur l'appréciation juridique de l'ensemble. Mais en fait, tout simplement, c'est la conséquence d'une transition, et ça on le voit en ce moment avec les querelles qui sont en train d'éclater de plus en plus au grand jour entre les deux. Dis-le, c'est qu'en Star fait... Wars. Hein. Non mais là c'est une crise multidimensionnelle. Oui, mais en fait... C'est Star Wars. C'est les conséquences de cette transition... Le club en paye les conséquences. Mais c'est un c'est club ça, déjà. C'est ça le plus dommage. C'est un club déjà en déclin. Oui, mais ça accentue cette impression. C'est-à-dire et on a eu en plus maintenant les documents que Colas avait transmis, il avait provisionné la vente d'un certain nombre de joueurs. On a même envie de se dire que... Un peu de manière bizarre. Non, mais, totalement. Parce que les 20 millions de Toko Ekambi... Non, mais évidemment, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que... L'été lyonnais et l'été, je me mets à la place des recruteurs lyonnais, quand même de travailler avec une masse salariale encadrée, on te demande avec de produire du feu avec des très très, très très limité. Non, je veux dire, ça conditionne aussi ton travail. Donc moi, j'ai envie d'un côté de tomber à bras raccourcis sur Lyon, sur la direction, sur la façon dont ils ont tout géré. Donc je disais, administrativement parlant, économiquement parlant, la transition, l'aspect même diplomatique entre les deux présidences, tout a été mal fait, tout a été pénible, laborieux, et à l'arrivée, ceux qui en payent les conséquences, c'est un, le club, parce que le club lui-même, il est toujours dans ce marasme sportif, incapacité de te renforcer et donc de te constituer une équipe compétitive, et donc pourquoi pas d'aller chercher un rebond en championnat. Et puis, je veux dire, le message que t'envoies à tes supporters... Je veux dire, c'est pas, ah non, c'est pas. Voilà. Là, on est sur je vais te donner la parole à Elton. Il reste 8000 places à vendre pour le match contre le PSG. Si ça, c'est pas du désamour. Sur Moreira, on serait sur un prépayant de 2,8 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Mais c'est une solution.
Après, ce qui est rassurant, est-ce que vous avez Elton, pour c'est juste un mot, une parenthèse, ce qui est rassurant et personne n'en a parlé, c'est que je pense qu'ils ont leur entraîneur, c'est l'homme de la situation. Et moi, je le sens impliqué. J'ai l'impression qu'il est en train de chercher des solutions et je vois quand même une progression dans le jeu. Je trouve que c'est bien, il rationalise et il optimise un effectif qui est moyen plus. Et moi, je pense que c'est probablement un entraîneur qui va finir la saison. Merci Nabil. Elton, il voulait rajouter un truc. Oui, mais c'est qu'en fait, c'est son micro, il ne veut pas qu'il rajoute quelque chose. Essaye de détendre un petit peu les fils. Essaye de te mettre tout nu. Hein ? Un quoi ? De quoi ? Non, je voulais savoir si. Non, c'est pas encore l'heure. C'est pas encore l'heure. Vous n'avez jamais invité Jean-Michel Aulas ? La position est toi. En fait, Elton, il y a un problème aussi, c'est que tu n'arrives pas à mettre un micro droit. Regarde comment il est ton micro. Comme ça, c'est bon. Dis-moi, Nabil. Je pense que vous devriez essayer d'inviter Jean-Michel Aulas, quelqu'un qui est ouvert. Oui, 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 de nous apprécier en plus. Ah, je pense qu'avec les deux personnes qu'on a dans notre équipe. Ouais, je pense qu'on a quand même des mecs qui suivent Lyon et qui. Ouais, qui sont très sympas avec sur les derniers jours. Justement, c'est l'occasion. Jean-Michel, sur les derniers jours, bon. Tu le prends Aulas sur le plateau ? Bien sûr, tous les jours. J'ai fait Boudjelal, je vais pas faire. Pourquoi je ferais pas Aulas ? Boudjelal, c'est super, non ? Ouais, il était venu. Ça a bien marché hier. Hein ? Hier, ça a bien marché. Moi, je l'ai bien. Le club hier. Ouais, c'était top. Oh, ça a pété, mais ils sont en Ligue 2 là. J'ai reprise de l'OM. Jean-Michel. De quoi ? Tu veux que je les transfère ? De quoi ? Les coordonnées de Jean-Michel. Bah, tu m'envoies ? Ouais. Moi, je le fais tout de suite. Mais c'est mieux son micro parce qu'en fait, tu l'as laissé dans. C'est pour ça, c'est ce que j'allais demander. On fait une respire. Tranquille, là, je suis dans mon émission. Je sais où je vais là. Ouais. Du coup, on va enchaîner. Hein. Non, mais. Elton, je te laisse le mot de la fin sur lui. Non, c'est juste pour résumer et synthétiser. En fait, ce qu'a décrit Tidiani, c'est un péché d'orgueil. Si les résumés, les synthétisations, en général, c'est. En général, c'est. C'est des thèses. En fait, c'est un péché d'orgueil parce qu'il est question de quoi ? Il est question de Textor qui est arrivé sur son premier mercato estival. Il s'est dit, on va montrer les muscles. Et donc, voilà, il a voulu, entre guillemets, faire rêver. Mais c'est, à un moment donné, c'est comme quand tu arrives dans une nouvelle maison. Tu as dans l'idée de faire des choses, d'installer quelque chose. Et puis, tu t'aperçois qu'il faut faire des travaux. Oui. Et les travaux, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est, à un moment donné, tu as la DNCG qui t'explique que la vie, c'est pas comme ça et qu'il va falloir vendre et que tu es encadré. Et donc, par rapport à ça, il y a eu un double discours qui s'est retourné contre Dextor et qui fait qu'il y a eu une cure de réalité et surtout un péché d'orgueil. Voilà pour le mot de la fin. Apparemment, j'ai vu un message sympa dans le chat de président Dodo. Alors, donc, il ne faudra pas perdre trop de terrain pendant la première partie. D'après Hugo Guimet, Textor préparait un mercato hivernal en béton car les sanctions de la DNCG à ce moment-là seront levées, la DNCG. Et ça correspondrait à l'arrivée de Bruno Lage de Botafogo. Ouais, c'est le plan secret de Textor. Et pas mal de joueurs de Botafogo aussi. Parce qu'apparemment, il y a deux joueurs qui sont aussi. C'est Luis Enrique qui est venu à l'OM là ? Non, pas Luis Enrique. Il y a Yanis me disait un défenseur central et un gardien. Ok, là-dessus. Le gardien, ça fait longtemps qu'on n'entend pas. Là-dessus, je suis pas fan parce qu'il y a une saison en cours et tout. Et si t'es dans l'idée que Blanc est déjà condamné. Non, mais il y a beaucoup de choses où je suis pas fan avec Textor. Ah la multipropriété, parce qu'on en a pas parlé. Ouais, après, mais ce qu'il a fait avec Noama, là, etc. Attention, parce que si les mecs, ils commencent à se mettre sur ses côtes, etc., Molenbeek, attention là-dessus aussi. Mais il y a plein de choses. Je suis désolé, ou moi il me rassure pas du tout. Et ça veut pas dire qu'on réécrit l'histoire sur Aulas, parce que Aulas aussi, il faisait du sale boulot sur les trois dernières années. Mais ce que fait Textor, moi je suis très inquiet. Moi, je suis très peur de Textor. Il a une. Voilà, c'est. Son travail. La globalité de son travail. L'ensemble des actions qu'il a engagées. Genre, toutes ces actions. Pendant l'été, il y a quelque chose qui. Jacob Ryan, Jeffinho, il est en. Molenbeek. Il est en dépression, le pauvre. Ah oui, non, mais sur Instagram, le mec, il a le mal du pays. Il a le mal du pays, le mec. Ça pue. On va continuer juste avec. On va faire un petit. Donc, la note que vous donnez au mercato de Lyon, ça va, c'est pas mal. 2,85. On va continuer. Vous allez. On va discuter rapidement de l'Olympique de Marseille pour clore un peu ce qui s'est passé en France. Et après, à la fin, vous ferez une petite réaction. Moi, je veux parler de ça. Moi, je vais commencer à penser un petit peu. Moi, j'ai ça que j'ai bien plu, qui m'a plu en France. Nanana. Ok. D'accord. Isaac Touré part à Lorient. Bamomeïté. Tu viens de nous improviser quelque chose. Ouais. De quoi ? Tu viens de nous improviser quelque chose. Bah, c'est pas mal. Ouais, bah, les gars, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous prenez un verre à droite, voilà. Etc. Il y a des offres, tu t'y attends pas, elles tombent. Là, c'est pareil. Bon, exactement. Vous faire un petit clafoutis. Ouais. C'était pas prévu. Exactement. Moi, ça fait de l'adaptation. Si tu peux me faire un clafoutis, je le prends, je le défonce. En plus, je dis ça, mais j'aime pas les clafoutis. Ah ouais ? Ah, t'aimes pas les clafoutis ? Pas les clafoutis. T'es un clafoutis. C'est un des rares gâteaux. Tu vas aimer le mien. Tu vas aimer les Charlotte, par exemple. Ah non. Mais les clafoutis, c'est. Du petit gâteau. C'est du petit gâteau, ouais, petit peut-être. Gâteau. Après, mais je préfère toujours les Charlottes au clafoutis. On embrasse évidemment toutes les Charlottes. Enfin bref. Et les Virginie. Aux fraises, ouais. Pardon. Nabil. Ouais.
Marseille. Le mercato marseillais. Comme d'hab, c'est World Poker Tour, quoi. Ça s'envoie des jetons, ça tourne. La 38, ok. Big blind, petit blind. Bah ouais, le gros stack, petit stack. Non, mais alors, on est un peu moins. Alors, attends, on va être honnête. On est quand même monté en gamme. Il y a quand même quelques CV. Oui, là, ils ont, c'est pas comme s'ils avaient perdu 4 points contre Metz et Nantes. Aubameyang contre Ongvia, c'est quand même des CV de très bons joueurs européens, tu vois, voire plus à une certaine époque pour Aubameyang. Après, je trouve que derrière, peut-être, j'attendais peut-être un défenseur central. Bah, il est là, Bamomeïté. Bah, c'est un jeune à fort potentiel. Très prometteur. Très intéressant. Mais ils ont perdu Isaac Touré, qui était aussi très bien, qui a montré des belles choses à Auxerre. D'accord. Et de la personnalité. Je suis d'accord. Parfois un peu trop, même. Et également. Quand il a du coup, et puis, il a permis à Auxerre de se maintenir en Ligue 1. Après, moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas une question de mercato, en fait. C'est une question. Ils ont des ingrédients. Après, c'est le but de l'émission aujourd'hui. Non, mais mercato, il est buté, là. L'autre, il est buté sur son terrain. Non, mais attends. Et après, déjà, bon, autre remarque, ça c'est une parenthèse, il faudra m'expliquer un jour pourquoi Marseille ne prend jamais aucun joueur algérien. Ah ouais, d'accord. C'est la plus grande. Dès que tu as piqué un petit peu. Bon, moi, il y a un truc. Hey, t'as pas le numéro de Pablo, on lui fait un vocal en direct. Hey, t'as pas le numéro. C'est mort. En fait, ça me fait chier, j'en ai rien à foutre de ma volonté. Pourquoi ils prennent pas le numéro? Mais tu fais ça à l'équipe, tu dis ça à l'équipe. Bah, tu sais, moi, j'assume ce que je suis. J'assume ma double identité sans aucun sens. Mais quel Algérien il aurait fallu là? Attends. Quand tu sais qu'il y a un mec. Attends, là, je suis très sérieux. Quand tu joues avec deux pointes et que tu es au courant qu'il y a un mec qui a marché déjà sur la Ligue 1 avec Monaco, qui a marché pendant 6 mois sur le championnat de Belgique, ok, qui vaut pas 30 patates comme Vitinha, qui s'appelle Islam Slimani, qui est libre. C'est vraiment un ami. Nabil, est-ce qu'on s'achèterait pas un aller-retour à Coritiba, Paris, Rio? Tu vas aller le voir quand même, avec tout ce que tu fais, il va bien donner 2 places. Bah, on va là-bas, on est bien reçus. Ah ouais? Ah non, bah. Attends, mais si tu me chauffes, moi, le Brésil, j'y vais. Bah, ouais. Vasco de Gama, Coritiba, on y va. Et je te paye une petite. Et je te paye une petite cantine brésilienne. Moi, je te vendrai un peu des maillots. Le dernier, les deux derniers qu'il y a eu, plus ou moins, c'est Karim Ziani, c'était José Anigo. Et puis le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, qui était arrivé gratos, ou quasiment gratos, de Martigues. Le dernier Algérien. Non, il y avait Fouad Kadir. Il y avait Salim Arash. Alors Fouad Kadir, vous connaissez. Il s'est fait les croisés à la plage, il a raté. Connaissez mon anecdote avec Fouad Kadir? Oui, c'est bon. Fouad Kadir, j'ai fait. Salim Arash qui est devenu. J'ai fait une interview de Fouad. L'entraîneur, il est devenu entraîneur. Salim Arash est aujourd'hui agent. Agent, il est agent, Salim Arash. Oui, il est entraîneur, agent, entraîneur d'agent. Il travaille dans le football. Bref, allez. Non, mais pour terminer, Sur Bamou Maïté. Non, moi, pardon. Sur Bamou Maïté. Sur Abdoulaye Maïté. Bamou Maïté, moi, j'ai été surpris du move. Ouais. Honnêtement. Enfin, je trouve qu'il faisait des bonnes choses du côté de Lorient. Mais là, tu sens que c'est quand même des valeurs marchandes pour ensuite revendre les joueurs. Enfin, ouais, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Là, c'est toujours Pablo Longoria. La France a un incroyable talent. C'est-à-dire que l'année dernière, tu avais Touré qui était le joueur hype après la préparation. Et tu t'aperçois qu'au bout de 6 mois, il est parti à Auxerre. Et puis parce que t'as Bamou Maïté. C'est fait au CER, Isaac Touré. Il est parti où, Isaac Touré, là? Non, à Lorient. Ah, il est parti à Lorient. Mais en prêt. Ouais, mais au bout de 6 mois, il est parti en prêt. Et là, tu t'aperçois que Bamou Maïté, il fait un gros match contre l'Olympique de Marseille. Il t'a tapé dans l'œil. La France a un incroyable talent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est pas. Je vais répondre à Awa. On n'a pas encore parlé du Barça. On va switcher dans quelques secondes sur le foot européen. Il nous reste 45 minutes. On va switcher très rapidement sur. Thomas, parce que je vais parler sous ton contrôle, parce que tu suis ce club. La finalité, c'est quoi? De quoi? Qui ça? La finalité, qui va s'inscrire dans la durée à ce poste? Quel poste? À Marseille. Quel poste? Mais ça se trouve, dans 6 mois, il vire les 3. Non, parce que tu parlais du match contre l'OM où il avait été très très bon. Nous, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait découvert sur le Reims Lorient, où il avait remplacé la porte. Il était, comment dire, qui s'est. Mais il était. Ouais. Ah ouais, c'est à ce moment-là qu'il avait, comment dire, qu'il avait démarré. Avant, il était. Avant, il était remplaçant. Mais sur le gros match contre l'OM. J'espère que c'est pas le syndrome Sergei Semak et juste le match qu'il a fait contre l'OM qui a fait que Longoria va le prendre. Maintenant, moi, je ne vais pas juger de Bamou Maïté ou pas Bamou Maïté. On a vu trop peu de matchs pour savoir. Moi, ce qui m'intéresse, comme le dit Nabil, c'est surtout la valeur marchande et c'est quoi le move, en fait. C'est du trading déguisé. C'est quoi la valeur marchande des deux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Isaac Touré est valorisé à combien? Bamou Maïté, il est valorisé à combien? C'est tout. Et est-ce que Bamou Maïté va jouer à l'OM? Est-ce qu'il va avoir plus de temps de jeu que Isaac Touré? Parce que si c'est pour, en fait, Bamou Maïté le mettre 3e ou 4e, voire 5e, comme Isaac Touré pouvait l'être, et ne pas le faire jouer et le reprêter à un mec. Bamou Maïté, il va arriver avec moins de velléité.
Ce qui était, c'était pas le cas de Isaac Touré qui voulait absolument pas rester parce qu'il a raison d'ailleurs. Il a été sa guerrière du côté. Bah pourquoi Bamba Maïté il a accepté d'aller à l'OM alors qu'il continue parce à jouer. Parce que lui, il y en a un qui a compris, il y en a un qui va comprendre. C'est ça. Voilà, il y en a un qui fait un gap là. Non mais c'est fou. C'est fou dans le football parce qu'on a les cas avec Kitike, Barcola, etc. C'est que les mecs ils voient pas en fait ce qui se passe. Mais allez, ça va être différent. On fera une émission demain. C'est encore l'ego. Émission spéciale sur l'Olympique de Marseille. Il a croisé le Toxic Boy. Il y en a un autre qui a pas croisé le Toxic Boy. Émission demain sur l'Olympique de Marseille. On reviendra avec Manu à partir de midi sur le match nul, évidemment, face à Nantes. Match nul très mauvais, très inquiétant de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Nantes. Voilà, vous allez parler du mercato du Real. Je ne sais pas si on aura le temps ce soir, mais le Real Madrid aura son émission sur la gestion de l'été parce que c'est très important. C'est au-delà du Real. Ce qui s'est passé du côté du Real Madrid. Et juste une remarque. Unai, ça va se passer comment, là? Bah, Unai ne va pas jouer. Mais attention, le marché saoudien est ouvert jusqu'au 7 septembre. Ah, moi, on m'a dit qu'il irait pendant l'Arabie saoudite. Moi, on m'a dit qu'il irait pendant l'Arabie saoudite. Je sais qu'attends, je fais exprès de lancer ce dossier-là parce que je sais que Walid a des infos. Non, mais moi, on m'a dit qu'il irait pendant l'Arabie saoudite. D'accord. Après, s'il va en Arabie saoudite, il va en Arabie saoudite. Et moi, la vérité de l'instant voilà. N'est moi, pas celle du tard. Mais là, il va continuer à cirer le banc, là. Ouais. Il va continuer à le cirer le banc alors que c'est une équipe qui marche pas. Il a pas joué une minute aujourd'hui. Et son 4-4-2 dogmatique. Vous avez réfléchi à votre petite. Moi, on m'a dit qu'il irait pas en Arabie Saoudite. Donc, s'il va en Arabie Saoudite, ce sera pas avec son agent actuel. Après, on verra. Elton, est-ce qu'il y a un coup sur le mercato français aujourd'hui qui t'intéresse, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, que ce soit du côté de Lens, du côté de Ruben Aguilar, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué aujourd'hui que tu as envie de parler et qu'on n'a pas. Je vais être très transparent là, tu m'as attrapé par surprise. Moi, j'en ai une, moi, si tu veux. Dis-moi. Moi, sur Lens, si tu veux parler, si tu veux qu'on parle de Lens notamment, et sur Unai, etc., dans ce style de joueur. Moi, je pense qu'il manque un joueur dans ce secteur-là au RC Lens et je suis un peu déçu. Moi, je trouve que le recrutement du RC Lens est beau, hein, est quand même cohérent, avec Rouaï et Diouf qui remplacent Seko Fofana et Openda notamment. Mais moi, je trouve que le trop-plein de pistons, bon, c'est très bien, hein, Ruben Aguilar, etc., c'est sympa, il n'y a pas de souci. Il fait tout, lui. Ah ouais, il fait tout sur le terrain. Mais bon, la solution Habib Diarra qui devait être dans les tuyaux au début du mercato n'a pas été fait. On n'a pas continué dans cette voie-là parce que je pense qu'un milieu un peu tout terrain n'aurait pas été de trop pour soit soulager un Salis Abdoul Samed ou même un Diouf après les joutes européennes. Moi, j'ai un peu de mal avec Spearings et surtout le trio qui va accompagner Wai, c'est-à-dire Sotoka, Thomasson, Fulgini. Et on peut même rajouter le petit Da Costa. Moi, je trouve que c'est très, très léger en termes de créativité, en termes de touches spéciales pour la Ligue des Champions et même voir pour l'Europe derrière s'il se qualifie. J'aurais bien aimé que Lens aille dans ce secteur-là. J'ai un joueur que j'imaginais partir, c'est dans l'autre sens, et qui n'est pas parti. Je suis très surpris parce que pour moi, c'est un très, très bon joueur qui peut apporter, qui est moderne dans sa manière de jouer, qui est intense, qui est bon dans la finition. Je pensais que celui qui est parti allait rester, celui qui est resté. C'est qui? Dis-nous, tu nous fais un kiss. J'arrive. Tu nous fais un kiss depuis tout à l'heure. Un qui est? C'est un qui est? Vas-y, fais-nous deviner. Vas-y, fais-nous deviner. Tu vois, Shaibi, il est parti à Francfort. J'ai des lunettes bleues. C'est Abouklal, là. Ah oui, Abouklal. Je sais pas ce que vous en pensez de Abouklal. Bon joueur. Et moi, pour moi, c'est. Il va prolonger, là. Il peut être dans un top 5 de Ligue 1, quoi, tranquillement. Ouais, il a l'Europe. Non, ah, c'est vrai que je pensais en plus, avec l'histoire de l'année dernière, je pensais que ça allait. Ça allait un peu accélérer le process. Je suis en train de regarder un petit peu, mais... Il n'y a rien qui t'excite? Rien qui m'excite, mais j'ai vu que Brest, aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, a donc conclu le Cardinal, Amavi et Bilal Brahimi. Ouais. Ça fait... Le Gareth Bale algérien. Non, mais pour une équipe qui, quand même, est bien repartie cette saison sur la continuité du deuxième semestre. Voilà, c'est bien d'avoir des petits clubs. Moi, j'irai sur Bakayoko par rapport au message délivré par Lorient, parce qu'on a vu que Lorient, depuis plusieurs mois. Ils ont VDB ou pas alors, non? C'est mort, VDB. Ouais, Van Donny. A priori, ouais. Par rapport au message qui a été envoyé il y a plusieurs mois, notamment les nouveaux, entre guillemets, objectifs l'orienter, et c'est surtout le positionnement, parce qu'on avait dans l'image, on avait dans notre imaginaire un Lorient voilà, qui était un club familial, et là le fait d'être beaucoup plus sur l'international et d'avoir des ambitions, parce que quand je parle d'ambition, ils auraient pu par exemple lâcher rapidement Régis Lebris, ils ont dit c'est niette, on l'a même prolongé, et par rapport à ça, notamment sur le marché des transferts, t'es sur un positionnement où t'as quand même Bakayoko qui est passé par Monaco, bien évidemment, champion de France, Chelsea, l'AC Milan. Et donc tout ça me fait dire que
Attention par rapport à Lorient, notamment pour se pérenniser dans la première partie de tableau. On est sur une étape en plus. Donc par rapport à ça, Bakayoko, même si c'est un transfert qui a la relance, de la même manière que Benjamin Mendy, c'est un transfert à la relance pour d'autres raisons, et ben c'est des éléments qui m'interpellent et qui vont dans un sens positif pour Lorient. Alors, j'aime bien le message de Matinou, parce que c'est vraiment un joueur que je pensais aller ailleurs. On allait en parler beaucoup plus cet été, c'est Jonathan David. Bah, le problème de Jonathan David, c'est rien passé autour de lui, j'ai l'impression. Bah, il y a peut-être eu très bonne remarque de Matinou sur YouTube. Mais ce qui le plombe un peu, ce qui est la différence de Kolo Muani, lui est pas arrivé libre à Lille, il est arrivé pour 30 millions, ce qui est déjà une base assez élevée. Et donc, Lille, c'est quand même un club qui souhaite faire un peu de plus-value et qui essaye d'assainir ses comptes. À 50, il n'y a pas un prétendant à 50, 55 ? A priori, non. Sur un marché où tous les 9, même à 20 matchs, ils partent pour 70 ? Après, tu sais ce qui se passe, il peut y avoir des prétendants, mais ce n'est pas les prétendants que toi, à titre personnel, t'espérais. Si c'est Nottingham Forest et tu rêvais de, je sais pas moi, de, j'en sais rien, de des verts, enfin plus haut quoi, tu vois, parce qu'à un moment il était annoncé quand même dans des clubs un peu plus forts. On passe à l'Europe. Peut-être que lui aussi, il n'était pas pressé d'y aller non plus quoi. On passe à l'Europe, les amis. On va peut-être mettre une petite alerte mercato. Mason Greenwood a signé à Retafe. Ah où ? Ouais. Ils ont mis un petit teasing là. Retafe ? Ils ont mis un Keep Calm Announce Coming avec le petit drapeau de l'Angleterre et le petit sablier, c'était dans les tuyaux. Il devait pas aller à la Lazio ? Sur le compte Twitter de. Il est très sur le compte Twitter de Retafe. Mason Greenwood. C'est un crack, il va se relancer dans la banlieue. Il se relance dans la banlieue de Madrid et il signe au Real la saison prochaine. Tiens, vous notez là ? Il va peut-être un peu vite en besogne quand même, mais. Allez ! Sait-on jamais. Toutes les infos, on va basculer sur le marché européen. Est-ce que vous m'accordez le fait de démarrer par le Barça ? Allons-y. C'est quand même eux qui ont animé un peu plus que les autres. Une heure et demie qu'il attend. Ah, et nous aussi, on attend de savoir ce qu'il va nous dire. Moi, dans mon village ce matin, j'ai dit je ne parle que du Barça. C'est ton moment, Elton. Les informations, donc. Information, Loïc Tanzi, Verratti et Draxler sont très proches du Qatar. De toute façon, c'est pas des deals qui pressent, hein. Ça peut se faire. Non, il y a encore un peu de temps. Le Qatar, c'est jusqu'au 19 septembre. Tranquille. Donc, et on va parler du. Enrique qui travaille pour le Qatar et celui qui coordonne les transferts du côté du Qatar. Donc, ils essaient de les exfiltrer tout simplement. Mais Draxler. Il est là pour ça, depuis son retour au PSG, c'est pour sortir les joueurs. Mettez une note, les amis, pour le mercato du Barça. Un chiffre rond entre 0 et 10. Les infos, donc, officialisation il y a quelques minutes de Joao Félix et Joao Cancelo, là quand même sur le papier, alors c'est un des prêts pour une saison. Là sur un an, sur le papier, c'est quand même deux sacrés renforts dans des secteurs où le Barça avait besoin. Ouais. Notamment, jouer au Cancelo. Tu regardes avec des yeux d'amour là. Bah parce que moi, j'aime bien le Barça, moi. Ah. Je sais pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais aucun intérêt à regarder le Barça ces dernières semaines, l'année dernière. Je me dis, bon. Peut-être regarder un peu plus le Barça que... Non, mais Thomas, de manière très concrète, pour moi, c'est un très bon mercato du Barça. Si je te donne une note, je te donne la note de 8 sur 10. Parce qu'ils sont de quoi ? Ah ouais ? Oui, je te dis, c'est 8 sur 10. Parce qu'il c'est pas aussi dithyrambique qu'hier. Hein ? Très bon, il y a quand même deux signatures aujourd'hui qui peuvent changer un petit peu la donne. Ok, donc c'est ces deux transferts-là qui font passer dans une note. C'est une base, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais... Le mercato s'est stoppé pour le Barça. Il est question de quoi ? Le Barça qui recrute pour 3,5 millions d'euros. Et quand tu regardes le mercato estival, à la faveur notamment l'arrivée de Gundogan libre, Inigo Martinez qui reste un élément référencé de la Liga avec ses passages, dans un premier temps à Real Sociedad, Bilbao, et enfin Cancelo, on ne va pas vous présenter, même s'il a un caractère qui est particulier, et Joao Félix, même s'il va devoir arrêter de faire sa diva. Pour ajouter Auriol Romeu. Auriol Romeu, qui est un élément référencé des gars. Compte tenu des contraintes économiques, je vous rappelle que le Barça a abaissé de manière significative sa masse salariale, avec notamment les départs de Piqué, qui est enregistré notamment pour cet été, Griezmann, Busquets, Jordi Alba, c'est un très bon mercato. J'ai oublié le fait que le Barça... pendant ce mercato, a changé sa structure sportive. C'est-à-dire que Deco est devenu directeur sportif, Matteo Alemany va quitter le club, Jordi Cruyff a quitté le club. Donc, malgré ses contraintes, et j'ai évoqué la contrainte économique, le Barça fait un mercato qui est pour moi 8 sur 10, parce qu'il est question de quoi ? Il est question de renforcer qualitativement l'effectif. Est-ce que le Barça a répondu à cette question ? Je te dis oui. Non, mais je ne sais pas, parce que j'ai cet avis-là, mais...
hier, notamment sur Joao Félix. Quand on parlait de Joao Félix, tu n'avais pas la, comment dire, le même enthousiasme sur le joueur. Et sur si tu joues Joao Félix, alors voilà, je vais redire exactement ce que j'ai dit. C'est rare de voir si j'ai la même personne en face de moi. Je vais redire exactement ce que j'ai dit hier. Malheureusement, je suis toujours Elton Marvin Mokolo, ouais, le 18 juin 1980. Ah, mais tu reconnais qu'il y a un petit switch là-dessus? Non. Je suis toujours Elton. T'as répondu à l'appel le 18 juin, quoi. Exactement, je suis Elton Mokolo, né le 18 juin à l'hôpital Robert Nobré. Ouais, on les salue. Joao Félix est un très bon joueur, mais un piètre compétiteur. Ouais. Ça, c'est mon avis qui ne change pas. Mais donc, non. Ça fait basculer sur le 8 sur 10. Hein. Joao Félix, qui est un piètre compétiteur. Non. Je regarde le panorama. On peut rajouter Joao Cancelo, qui a eu des gros problèmes à City au Bayern. Je regarde le panorama d'ensemble. Le mercato ne s'arrête pas seulement à Joao Félix. Je te dis juste que Joao Félix, j'ose espérer qu'à un moment donné, Joao Félix, qui a quand même 24 ans, là, pour moi, je vais te dire, par rapport au club d'élite, c'est sa dernière opportunité. Il y a Eric Garcia qui est parti à Girona. Eric Garcia qui est parti. Joao Félix, c'est sa dernière opportunité. Il est parti où, Eric Garcia? J'ose espérer que, aussi bien son entourage, mais aussi Jorge Mendes, ils ont pris entre quatre yeux Joao Félix et qui lui ont expliqué la vie, à savoir que cet été, tu avais soit le choix entre le Barça et l'Arabie Saoudite et que tu es bien content de tomber sur le Barça et qu'à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et j'espère que la mentalité de Joao Félix va s'inverser. Par contre, si la mentalité de Joao Félix s'inverse, il est question de quoi? Il est question d'un très bon joueur. On est d'accord. Non, moi, je trouve que c'est un mercato quand même assez malin. Je vais peut-être pas être aussi... Alors, il y a eu qui? Il y a eu Gundogan. Mais on les a fait, il les a fait. Oriol Romeu, Diego Martinez, les deux... Victor Roque aussi. Mais moi, globalement, on est obligé de dire quand même que c'est malin. Non, mais c'est vrai, c'est malin. C'est malin. Parce que regarde, tu récupères deux joueurs qui, en termes de valeur marchande, je vous rappelle que Félix, quand il signe à l'Atlético, c'est 120 millions d'euros. Et l'autre, quand il signe à Manchester City, c'est 70. Donc, tu as potentiellement des joueurs qui valaient 200 millions. Il n'y avait pas un échange avec Danilo. Il y a encore 2-3 ans. Est-ce qu'on estime de façon ferme et définitive que ces deux joueurs, quand bien même en difficulté sur leurs dernières expériences, sont perdus pour le football? Moi, je pense que non. Je pense que c'est des joueurs qui, dans un certain contexte d'épanouissement extra-sportifs et sportifs, peuvent se relancer, peuvent rendre des services. Et donc, moi, je trouve ça malin de la part du Barça, d'un point de vue sportif, d'y aller à ce moment-là, parce que si jamais, par le plus grand des hasards, j'ai envie de dire, ils arrivent à les relancer, et bah, sportivement, ils en tireront le bénéfice. Ils pourront peut-être les acquérir définitivement dans des conditions plus avantageuses que ça aurait été le cas il y a un ou deux ans. Et aussi, dimension très très importante, au-delà du fait que sportivement, pour moi, ils répondent à des besoins de l'équipe. Le poste de latéral droit, on a vu le match de Sergi Roberto ce week-end contre Villarreal. Ça suffit pour moi à constituer un argument en tant que tel. Et tu as le départ de Dembélé qui devait être compensé, on l'a dit, pour générer cette créativité dans le dernier tiers. Mais à côté de ça, parce que moi je perds jamais de vue que c'est quand même Tonton Laporta qui est aux manettes, c'est bien, tu amènes des noms, tu vois, c'est beau, tu vois, c'est des beaux joueurs. Donc, je veux dire, tu vois, ça va te permettre aussi, en termes de crédibilité, en termes d'assises politiques, quand tu es Laporta, de te dire, bah moi, j'ai fait un mercato avec des beaux noms. Donc, pour moi, c'est un mercato tout bénef. Il faudra évidemment qu'il y ait le verdict sportif, mais là, à ce stade, pour moi... Je suis d'accord avec Tidiani et Elton Mokolo pour terminer, mais comme... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, ça tombe sur moi, en fait. C'est ouf. C'est pas ma faute. Hein. Non, mais c'est ouf. Le PSG qui continue de dégraisser. Ouais. Juan Bernat part au Benfica. Ouais, c'est officiel. C'est attendu. Chez moi, j'ai toujours trouvé qu'il était. Ouais. Et, on parle du Barça. Il prend 900 000 par mois. Ez Abdé a été officialisé. Au Betis. C'est très bien ça. Je suis très content pour lui. Oui. En fait, je voulais faire une blague, mais elle est plus dans le timing. Fais-la. Ah bah, ouais. En fait, je voulais dire. Je suis totalement d'accord avec Tidiani et avec Elton, mais attention aux beaux joueurs. C'est comme dirait mon ami Thomas Bonavent, un beau joueur, ça peut devenir... Un petit joueur. Mais vraiment, il y en a des petits joueurs dans ce monde. Il y en a vraiment des petits joueurs. Faut vraiment savoir, les Winamik, en ce moment, il est sur une range. Quand il regarde les matchs de foot, du petit joueur. Sincèrement, c'est extraordinaire de regarder les matchs de foot avec Thomas. Dès qu'il y a un petit joueur technique, etc., mais qui ne fait pas l'affaire, il dit, mais c'est du petit joueur. La note que vous donnez au mercato du Barça, elle a été polluée par plein de notes. On était plus tout à l'heure 6,5-7 qu'un 4.
1,30. Wally, je n'ai pas entendu sur le mercato du Barça. Non, mais je voulais juste faire une vanne. Ouais, moi, je suis totalement. Ah, d'accord, okay. Écoute, on est là pour avancer. T'as raison. Avançons. On a plein de choses à aborder. J'aimerais ouvrir le dossier du Real Madrid. Ah, le Barça, si ce sera ce soir. Le Barça a fait plutôt du beau boulot et je suis d'accord avec quelqu'un. Alors, je voulais juste le titiller on aura le sur temps. Ses incohérences, mais il m'a très bien répondu. On aura le temps de. Répondu. Ah, okay. On aura le temps de parler du Real plus en longueur. Mais non, mais non, les gars, attendez. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ok, mais du coup, on a encore plein de choses à aborder parce qu'on est dans un live spécial mercato. Il faut qu'on parle de tout le monde. Real, faut une heure. Mais ah, voilà. On fait le live spécial mercato, on parle pas du mercato du Real. Ils ont rien fait. Justement, j'arrive. Et ben j'arrive. Vous allez faire on va faire votre petit tour de table. Sur le Real Madrid, l'information donc aussi, la grosse information sur le mercato, c'est que Kylian Mbappé est un joueur du PSG, va jouer cette saison au Paris Saint-Germain. Selon certaines informations, notamment notre ami Santi de Foot Mercato, ça pourrait même avoir une petite prolongation jusqu'à quand ça parle de 2026. Bref, il n'y a pas le Real. Et le Real se retrouve un petit peu la queue entre les jambes. Nabil, c'est vrai que le Real Madrid. C'est vrai que c'est étonnant. En plus, ils ont accumulé des cagades là, sur la fin du mois d'août avec des blessures, le gardien, le défenseur, gardien, défenseur central. Vinicius et tout. Moi, je vais vous le dire comme je le pense. Et je sais que c'est quelque chose qui est inconcevable et qui est un gros mot. Oh, attention. Je pense que c'est une transition qui ne dit pas son nom. Une raison principale pour moi, c'est qu'en fait, tu sais que cet entraîneur, bon, il a fait ce qu'il avait à faire, mais que dans un an, il est sélectionneur du Brésil. Mais pourquoi ils ne l'ont pas sorti? Bah oui. Pardon? Pourquoi ils ne l'ont pas sorti cette année? Pourquoi ils ne l'ont pas sorti? Donc en fait, t'es pris au piège dans Ancelotti? C'est une gestion père de famille. Voilà, ah d'accord, super. Bah, super. Il fait du paternalisme. En fait, moi, j'entends ce que vous dites. Et il fait du bricolage. Moi, j'entends ce que vous dites. Et dans le fond, vous avez raison, parce qu'on sait que entre Ancelotti et Pérez, il y a une relation qui fait que Ancelotti peut incarner cette phase-là du Real Madrid, transition, comme vous dites, gestion en bon père de famille. Il va assurer un niveau quand même lambda. Il n'y aura pas d'éclat de voix dans la presse, etc. Donc, pas de problème pour ça. Mais là, quand même, tu t'exposes quand même, pour moi, à du danger cette saison. Parce que là, on voit qu'en fait, l'effectif, il est en flux tendu. Et que l'année dernière, voire même l'année d'avant, finalement, tu as été épargné par le mauvais sort en termes de blessures. Benzema s'est blessé. Ouais, mais heureusement que Bellingham performe en ce début de saison. Sinon, le mercato. Il va pas faire l'animation offensive. Il va pas mettre 25 buts. Enfin, s'il met 25 buts, bravo champion. Ouais, et Jude. Et puis il va pas le faire sans Vinicius pendant 6 mois. Là, il faudra, à chaque match, il faudra faire le signe Jude. Hein. Non, mais là, bref. Mais tu sais à quelle équipe ça ressemble là? Hein? Non, mais attendez, c'est Villarreal, mais c'est Villarreal de Madrid. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour toi, si je peux te répondre sur Ancelotti, je suis désolé, un club comme le Real Madrid, parce que la saison de transition, on l'entend à chaque année. Chaque année avec le Real Madrid, depuis le départ de Ronaldo, dès qu'il y a du bricolage, en termes de transfert, on dit non, mais ok, je veux bien que le Real Madrid est un club à part, est un club qui arrive, et je crois que c'est Tidjani qui l'expliquait la semaine dernière ou il y a deux semaines, à chaque fois s'émanciper de stars pour faire des résultats. Il s'adapte. En s'adaptant. Tout mais là, temps, toujours. L'adaptation tue l'adaptation. C'est-à-dire que je suis désolé, mais moi, l'animation offensive où tu vas perdre Vinicius sur 6 semaines, où tu vas perdre Militao, Thibaut Courtois, que Arda Güler qui devait arriver, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, que tu as Rosellou qui a jamais eu ce statut. Tu as dit qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Hein. Oui, mais attends, excuse-moi, mais le Real Madrid. Là, ils peuvent se faire éliminer en finale. Ils peuvent pas finir quatrième de Liga non plus, Nabil. Attendez, la poule, elle est gentille. Ouais, mais je suis désolé, Nabil. L'année dernière, on parle d'une équipe qui a terminé à 11 points ou 10 points du Barça. Qui s'est fait dévaster par un Barça. Un Barça qui a dépensé 3,5 millions sur le mercato et qui a des gros soucis sur les deux dernières années. Je suis désolé. Mais le Real Madrid, le signal qu'ils envoient... C'est Castorama, là, c'est du bricolage. Mais le bricolage n'est jamais fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis désolé, mais quand j'entends des rumeurs comme quoi Kane, il n'est pas assez bling-bling, Kane, il n'est pas assez jeune, qu'on est sur du tout Mbappé, alors que Mbappé, on est en train d'avoir une tendance où Mbappé va peut-être prolonger et va peut-être leur faire à l'envers. Ah, attention. On est dans l'attente, il n'y a aucun problème, mais c'est une possibilité. Moi, je suis désolé. Un club comme le Real Madrid, qui a gagné 150 Ligues des Champions, tu peux pas m'expliquer qu'il doit se substituer uniquement à un joueur, surtout qu'il y avait des numéros 9 qui correspondaient totalement au profil de Karim Benzema l'année dernière. Est-ce que c'est pas possible? Je suis désolé. Peut-être que leur donne réponse à droite. Alors profite, les amis, on est. Alors si le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions cette année, comme ce sera pas la première fois qu'ils me surprennent, là franchement,
Là, vais, moi, je me déplace. Je me déplace au Bernabéu, mon pote. Je prends une attention ce que tu vas dire. Non, mais je prends une pancarte, mon pote. Et sincèrement, je dis bravo, Florentino Pérez. Pardon. Excusez-moi. Et je tourne avec le son de Fred Hermel, là, en Ligue des Champions, en disant mais excuse-moi, je suis qu'une merde. Sincèrement. Je suis nul. Non, mais je suis nul. Parce que sincèrement, avec cette planification sportive. Cette planification sportive, que ce soit déjà sur les latéraux, le milieu de terrain, ils prennent Bellingham. Bellingham qui est un joueur à part, joueur générationnel. Bien évidemment qu'il fallait le prendre, mais c'était pas dans le secteur prioritaire qu'il fallait le prendre. C'était pas ça. C'est le secteur prioritaire, c'était le numéro 9. Et ils ne l'ont pas fait. Okay. Et surtout, ils sont pas à la merci de voir Kylian Mbappé qui change d'avis toutes les 3 semaines, rechanger d'avis. Et tu penses, attends, peut-être que l'été prochain, on va être surpris. Bah, on va être surpris. Bah, soyons surpris, ouais, alors. Les amis, on est plus de. C'est peut-être un autre joueur qui va venir. On est plus de 3000, les amis, sur le live. Les amis, pourquoi ils l'ont pas fait cette année? On est plus de 3000 sur le live YouTube. Parce qu'ils sont plantés. On est plus de 3000 sur le live YouTube, les amis. Il y a seulement 529 likes. Je vous ai mis le petit truc là. On est plus de 3000. Ça baissait à Mbappé constamment. Faut arrêter les conneries. Plein. Quel Real Madrid. Leur petit pouce bleu. C'est très important de mettre un petit like. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire également sous la vidéo pour réagir à toutes les infos mercato qu'on vous a données. Évidemment, réagir à l'émission, réagir aux avis des consultants. Bref, donnez-nous un maximum de force. Je vous laisse le compteur quelques instants. Ce serait bien qu'il aille atteindre les 1000 là dans quelques minutes. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent en Espagne là? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais sincèrement, il n'y a personne Ils ont parlé de planification sportive téméraire. C'est le mot. Téméraire, à savoir que du côté du Real Madrid, alors on peut avoir. On s'aborde une saison. Quoi. Non, mais on peut avoir une vision moyen, long terme, notamment par rapport à Kylian Mbappé. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, au Real Madrid, et comme au FC Barcelone, l'avenir, c'est le présent. Bien sûr. L'avenir. C'est le présent, c'est-à-dire qu'au Real Madrid, tu auras 2 matchs, t'es dans la merde. Pareil pour le Barça. Et donc, pour le Real Madrid, pour peu que tu loupes 2 matchs, eh ben, va commencer à avoir des critiques. Mais maintenant, encore une fois, comme l'a dit Nabil, eux, ils assument le fait qu'ils sont sur une transition. Mais puis surtout, si Mbappé... C'est ça, Elton, je te pose une question. Si Mbappé prolonge... D'accord. Il n'y a pas qu'Mbappé, football, c'est pas que Mais c'est bien ce que je dis depuis mais tout à l'heure. Mais tu penses qu'ils ne vont pas rebondir? Mais c'est bien ce que... Mais pourquoi, ils vont avoir d'autres options. Mais pourquoi ils n'ont pas pris Kane cet été? Alors, on va voir Florentino Pérez, appelle-le. Et bah, j'ai pas son numéro. Mais voilà, tu peux bien le numéro. Donne-le-moi. Avec grand plaisir. Je lui fais une belle note vocale. Je lui fais une belle note vocale. Tu parles espagnol? En espagnol. En espagnol. J'ai deux amis qui parlent espagnol. J'ai même la femme de Thomas qui parle bien espagnol. Et même sa fille. Mais moi, la question que je te pose, c'est que si Mbappé, Elton. Si Mbappé il prolonge, c'est-à-dire que la capacité que tu avais cette année à pouvoir faire ce transfert, tu le feras de la même manière l'année prochaine, parce que s'il prolonge, il ne partira jamais libre. Donc l'indemnité de transfert, tu la prendras quoi qu'il arrive. Donc pourquoi à aucun moment tu as essayé de te positionner alors que le Paris Saint-Germain ouvrait la porte à un départ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. J'aimerais expliquer et demander à Florentino Pérez, qui il a pas de, comment dire, de média day là, il aura pas d'explication là avec le mercato. Tout le monde en général, il a un petit passage sur Inguito. Il a sa conférence de presse normalement. Il a pas de sociaux. Au Real Madrid, il doit pas rendre des comptes. Si je suis sociaux, je vais lui dire mes potes. Explique-moi tout. Et bah, pour être totalement transparent, il a son interview de rentrée du côté de la Cadena Ser. Je sais pas s'il va l'avoir cette saison. Normalement, ouais. Mais en général, il va nous parler de Super League. Il va nous faire quoi? Il va nous dire quoi? Il balaye l'actualité du Real Madrid. Mais le Real Madrid, ils vont te poser quoi comme argument? Et encore cet été, on a dépensé 200 millions d'euros. Oui, d'accord, mais de la même manière, a remis les 100 millions de Bellingham. C'est quoi les 200? Notamment sur Bellingham, sur Arda Güler, sur Brahim Diaz. Arda Güler, c'est 18 millions d'euros, mon pote. Ah non, ça, ouais, mais c'est. T'as aussi Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est combien? Mais Brahim Diaz, c'est une vingtaine de millions. 240, ils sont les 40. Mais t'arrives avec. Ah ouais, d'accord, t'arrives. Ouais, 60 millions, toi. Heureusement qu'on fait pas les comptes. Non, je sais pas si tu me dois des sous. Et à côté ça, je vais m'asseoir dessus. Parce qu'il y a 60 millions d'écart. Tu sais ce qu'on fera cette année? Non. Toi et moi, on va aller à Madrid. Non, attends. Je vous le donne en pleine gueule. Écoutez-moi bien. Je vais pas vous le promettre parce que ça dépend de plein de choses, et notamment des notes de Fred, mon boss, mais j'aimerais beaucoup faire un petit vlog avec Walid à Madrid. Et on cherche Mbappé, on cherche Florentino Pérez dans tout Madrid, dans toutes les rues. Et Walid, mais vraiment, et on parle espagnol, et vraiment, je pense qu'on peut tenir un petit truc. Ouais, ce serait pas mal. C'est pas mal, 2 jours à Madrid. 2 jours à Madrid, je prends. Et dans les 200 millions, il y a aussi Hendrik qui va arriver l'année prochaine. Et Hendrik, il joue quoi? Il est attaquant.
Il est attaquant. Donc par rapport à ça, du côté du Real Madrid, ils vont t'opposer l'argument que eux, quoi qu'on en dise, ils sont actifs sur le mercato. Pas assez pour moi. J'insiste là-dessus. Pour Elton Mokolo, ils sont pas assez actifs parce qu'il y a des manques qui sont évidents. Exactement. Mais qu'à côté de ça, du côté du Real Madrid. Ils n'ont pas intérêt à se plaindre. Alors, non, mais c'est quand on va les juger en fin de saison. J'aimerais qu'on on n'a pas beaucoup écouté Tidiane. Il y a un truc, et ça, on pourra pas l'enlever à Carlo Ancelotti. On pourra pas l'enlever au Real Madrid. S'il y a bien un truc qu'eux, ils font, ils assument jusqu'au. On va terminer avec Tid et peut-être Nabil si t'as quelque chose à rajouter. Après, on enchaîne. J'aimerais bien qu'on parle de Liverpool et du Bayern avant de... Moi, je suis évidemment perplexe par rapport à l'été du Real parce que je pense qu'il y avait un certain nombre de postes sur lesquels le club aurait dû se renforcer et notamment les postes sur lesquels, malheureusement, il y a eu des blessures et pour certains, des lourdes blessures. On a passé 2 ans à dire que cette équipe était tractée par un très grand gardien et un très grand avant-centre. Et cette année, tu n'auras plus ton très grand gardien et ton très grand avant-centre. Donc pour moi, ça aurait dû amener à une réaction sur le marché des transferts. D'autant plus, et ça, c'est aussi quelque chose qui a été récurrent, on a dit que le Real Madrid, sur les dernières saisons, avait accumulé de la trésorerie en étant relativement calme sur le marché des transferts et que donc, ça leur donnait un pouvoir d'achat, peut-être pour faire un gros mercato. Donc, initialement, tu te dis que tu ne fais pas le mercato. Tu as les problèmes en cours de route avec les blessures, tu fais toujours pas le mercato. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Maintenant, en essayant quand même de prendre un petit peu de perspective avec tout ça, il faut aussi quand même dire que le Real a eu de la réussite sur certains transferts qu'ils avaient anticipés. Ouais. C'est-à-dire que les petits Brésiliens qu'on voit maintenant comme des cadors, comme des tauliers, Walid, aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont matures pour porter l'équipe. Okay. Et ça, c'est des investissements d'il y a quelques années qui payent aujourd'hui. Pareil pour un joueur comme Camavinga, sur lequel tu as mis 30 millions il y a 2 ans. Tu vas essayer du temps pour mais grandir. Mais c'est quoi le banc du Real aujourd'hui? Je sais, Walid, je suis d'accord avec toi. Tu vois le banc, tu pleures du sang. Mais je suis d'accord avec toi. Nabil, c'est Kroos et Modric. En attaque, c'est quoi? On termine avec Nabil, s'il vous plaît. Non, mais attaque, c'est quoi? Moi, je suis inquiet pour leur saison. Déjà, tactiquement, tu vois bien qu'ils font du bricolage avec leur 4-4-2 en losange, un Bellingham en 10, Rodrigo et Vinicius. Vinicius, c'est pas là où il est le meilleur, c'est en arrivant du côté, en s'appuyant sur un joueur. C'est vrai que je suis très étonné, très, très étonné de ne pas les voir prendre des cracks, un crack devant, alors lequel, j'en sais rien. Mais t'es quand même passé de la BBC à Benzema, et là, en fait, il reste quoi maintenant? J'espère que pour eux, Mbappé, l'année prochaine, va partir des bureaux. Non, mais ils sont peut-être sur Haaland, ils peuvent faire Haaland, essayer l'été prochain. Il y a Osimhen, Walid, il n'y a pas qu'Mbappé. Haaland sort l'autre City. Haaland hein? Haaland sort l'autre City. Il y a une clause, apparemment? Ouais, pas. Il y aurait une clause. On va attendre ça. Allez, on avance, on a parlé du Real, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais du coup, ça rentre dans ce fil rouge mercato. Alors là, c'est terminé, évidemment. Là, il y a des... Il va y avoir des officialisations un peu à droite à gauche, le temps que les papelards soient envoyés, etc. Mais bon, là, c'est bouclé. Il n'y aura pas un transfert à 100 millions qui va tomber là. Voilà. Attention, papelards quand même, parce qu'on se rappelle de Réa, on se rappelle... Pour une minute. Les fax, là, les... Mmh. Bon, là, t'as une anecdote comme ça qu'on ne connaît peut-être pas, mais tu sais, d'une signature un peu bizarre. Tu aurais dû me demander avant, parce que le problème, c'est que des fois, tu en as 7 ou 8 à l'écrit. Si elle te revient. C'est quoi ta question? Il reste de papier non envoyé. Jusqu'à demain matin, t'as le temps. Je peux vous raconter un joueur qui s'est fait avoir comme ça, quoi. C'est-à-dire que le club a fait exprès d'envoyer le truc après pour pas qu'il soit transféré. Je vais pas dire de gros mots. Il faudrait que vous vérifiez, je l'avais écrit, ça, c'est l'histoire de Kakuta quand il était au Rayo Vallecano. Ah ouais. Ah oui, il devait revenir à Amiens, et en fait, tu remplis un truc, un certificat de transfert international sur un logiciel. Ah ouais. Ils ont fait exprès d'envoyer le truc après minuit pour pas qu'il soit. Pour pas qu'il gagne. C'est fort. Après, ça peut mettre du temps de remplir des champs. Hein? C'est des champs. Pour remplir des champs, mon avis. Des champs. Moi, mon avis, si j'y vais solo, mais pour remplir des champs, ça va mettre du temps. Quand t'es sur Internet, t'es là, t'as plein de champs, et tu sais pas où est-ce qu'il faut mettre, les noms. Il y en a qui ont essayé de remplir des champs, et ça fait 12 ans qu'il est là. J'avais fait exprès de... On a un contrôle, t'as ta chance. Oui, c'est histoire, tu la connaissais. Oui, je la connais, ouais. Mais moi, évident, ouais. Pas un gros arrosoir pour remplir des champs. Faut y aller, quoi. Il est petit, mais il est coriace. C'est pas du petit joueur. Bien gainé, le Deschamps. Bref, bonne chance à ceux qui veulent remplir Deschamps. Bref, on l'embrasse. On va pas élu bientôt, hein, Deschamps, parce que ça va être la trêve internationale. Isidore à Metz, c'est fait. Isidore à Metz. On salue Pablo Longoria qui était sur Isidore, hein, qui termine à Metz. Il est passé de Metz, quoi. Courtisé par Lyon, Marseille. Ah, c'est fort, c'est fort. Non, ouais, c'est top. On a hâte de l'équipe de France, là. Ouais. Non, par contre, le Allemagne-France, ça va être sympa. Au Signal. Thomas, ouais, à Dortmund. Allemagne-France et Irlande. France-Irlande. Est-ce que tu veux que je vous raconte l'histoire de l'échec du transfert de Slimani à Nantes? Je l'ai jamais raconté, ça là?
Oh. Ah si, non, oui, oui, avec Vaïd Halilhodžić. C'est un crossover intéressant. Oh. Avec Vaïd Halilhodžić. Non, non, mais Vaïd, c'est l'entraîneur, mais... Tu penses écrire sa bio à Slimani ou pas? Non, mais parce qu'en fait, il se met d'accord avec Nantes. C'est mémoire. De quoi? Il se met d'accord avec Nantes. Ouais. Ouais. Il arrive à Nantes. En quelle année? 2013. Il était où? Il était à Auxerre Bellouzdane. Ouais, c'est un sportif. Ouais, il arrive, bon, je le raconte en deux minutes pour rigoler. Il arrive à Nantes, il rentre, c'était sur les champs, il rentre dans le bureau. Ils étaient dans un... Ils buvaient une Nantes à l'eau? Très bon. Et là, Nantes, en fait, ce qu'ils font, c'est que, en général, ils te disent... ils te disent ton transfert, ton salaire, c'est 30 000. Ouais. Et quand t'es devant eux, ils te filent un papier où il n'y a plus écrit 15 000. Déjà, ah ouais, pour commencer. Ah, c'est beau, ah ouais, c'est ça, le foot. Des... Non, mais attendez, mais les gars, c'est toujours quitte. Non, mais il y a des trucs incroyables, des fois. C'est comme l'histoire du Brut et du Net avec Eto'o à Lyon, quoi. Ils font venir le joueur et l'agent. Le joueur, l'agent, il est sous pression, il abandonne une partie de sa commission, ça compense le salaire. Ouais, il peut flipper en plus en face. Et là, et c'est là où ça part en cacahuète, c'est qu'il devait payer 250 000 euros de transfert, et là, t'as Valdemar qui envoie le papier à l'agent et au président du CRB qui était là. Ils ouvrent le papier. 150 000 payables en trois fois. Payables en trois fois. Ah ouais, c'est quoi? C'est une télé d'artiste. Les mecs, il a acheté une commode chez Confo. Les mecs, ils ont rien dit. Je crois que c'était une période de Ramadan. Ils ont fait semblant de dire qu'il fallait qu'ils retournent à l'hôtel. Ouais. Et ils se sont donné rendez-vous le lendemain. Le lendemain, il n'y avait personne. Les mecs, ils avaient pris l'avion, ils s'étaient barrés à Lisbonne. Eh ben, c'est pas vrai. Non, mais des histoires comme ça, c'est extraordinaire. Ah, bah, j'aime bien. Continuez de nous mettre des likes, les amis. On est toujours plus de 3000. Il est minuit 15, on est toujours plus de 3000. On doit aller chercher les 1000 pouces. On se fait un monsieur bif. Les 1000 pouces avant la fin de l'émission. Un joueur qui est passé à Manchester United. Qui ça? Ah, Roro. Parce que Roro, en fait, c'est le latéral droit. Et Roro. C'est Roro Bédouk. Et lui, en fait, à l'époque. Eh, Roro, t'es revenu, t'es pas très affûté cet été, là. Et vous vous rappelez de Roro, il a dit. Non, mais. Robert, là, le gérant de la d'épicerie, là. Non, mais tu te souviens de ce joueur, là. Il nous a planté la dernière fois. Tu te souviens? On a dû appeler Bébert. On a dû appeler Bébert, c'est là qui a remplacé Roro. Ah, le pote de Roro. Exactement. Nabil. Il est connu, Roro, quand même. Ah, il est connu, quoi. C'est lui qui a Mbappé. Lui, tu sais, à l'époque, il y avait le président là, du Sporting, là, Bruno de Carvalho. Là, c'était un enfer pour sortir de là-bas. Ouais. Il est rentré dans le bureau, il l'a soulevé. Et quand je vous dis il l'a soulevé, il l'a attrapé. Mais il l'a soulevé. Il l'a soulevé. Il l'a démonté. Bah, pour qu'il laisse partir. Pour aller ah non, mais c'est hyper, ça peut, des fois, ça peut être hyper tendu. Hein, les, Bah ouais, c'est les, en millions. Les dernières... Ah non, ouais. Ouais, c'est... On salue Roro. Il y a deux, trois destins qui jouent quand même. Allez, juste... Oula, j'ai mon coup de cœur. On va juste faire un petit point aussi, parce que ça a été l'un des petites curiosités de la journée, c'était sur Mo Salah. Ouais. On lui a j'ai des infos par contre. Eh ben, je plante le décor. Alors on lui proposait 18 milliards par mois. Okay. Non, mais je suis sérieux. Il est kéblo sur un truc là. Il va... Ouais, lui il est mort. Lui, je l'interroge plus de l'émission. La deuxième émission de la journée. Il est sorti. Il est minuit 17. On lui proposait 18 milliards de salaire, une indemnité de transfert de 28 millions. 14 Bentley. À 31 ans. 14 Bentley. Non, mais bref, les sommes étaient plus folles les unes que les autres. Il a prêté à Liverpool apparemment cette année. Oui, sur un prépayant de 128 millions avec des bonus. Mais Liverpool a dit non. Ouais. Mais l'Arabie Saoudite prenait en charge le salaire, même s'il venait pas. Et rachetait le club. Mais pas de transfert en avion. Al Salah. Exactement. Voilà. Ouais, et ils veulent en faire un ambassadeur. Plus sérieusement, tu sens que derrière le dossier Salah, vu ce qu'ils semblent prêts à aligner, c'est pas juste une question de sport. C'est-à-dire que là, on est un peu sur l'idée d'avoir vraiment. C'est la composée, là. C'est une tête de gondole indispensable pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait Neymar, qui est peut-être l'un des joueurs les plus générationnels, malgré toute la déception que ça a pu faire. Benzema, qui est le ballon d'or en titre. Sadio Mané, qui est peut-être le joueur le plus apprécié du continent africain, et l'autre c'est Riyad Mahrez qu'ils ont ramené aussi, mais là ça là voilà. Tu sens que voilà. Mais qui te parle? qui te parle pour dire des trucs comme ça? Des trucs comment? Qui te parle pour dire tout ça sur ça là? Qui te parle? Bah je sais pas. Ben voilà. Une petite voix à l'intérieur de mon crâne. T'as des infos sur ça là? C'est un dossier moi. Tu m'as dit que t'avais des infos. Nabil. Donne les infos. Il est égyptien. Non non, mais au début il y a quelques mois il voulait pas venir du tout. Ouais. Là, il est passé à la phase de réflexion. Rappelons que ça ferme. Non, mais on se rapproche. Ça ferme le 20 septembre. Ouais. Et ce qu'on m'a dit, ce qui n'était pas impossible, c'est que les Saoudiens proposent un prépayant. Un prépayant. Ouais, Alors, c'est étonnant, mais pourquoi vous rigolez? Non, moi, je suis parti. Non, mais lui, il n'est plus dans l'émission. Lui, il n'est plus dans l'émission. Voilà. Et oublie Walid, il n'est plus dans l'émission. Un prépayant. Un prépayant. Juste, il va balancer 200-300. Et pour le signer à la fin de l'année? Pardon? Pour le signer à la fin de l'année? Écoute, moi je te lis
Est-ce que ça peut se faire, Nabil, ça peut se faire. On peut même se diriger vers un prêt. Je te tiens au courant. Super. Le club, c'est Al Ittihad. On va quand même croire à la BBC. Non. Écoute, me prends pas au sérieux. Je vais dire un truc. Tout le monde peut avoir des infos. Bien sûr. Mais qui te parle, mais qui... Moi, je connais un peu de monde. Je connais un peu de monde. Ah, bon, on le sait. Mais ah, vous seriez surpris. Pas qu'un peu de monde. C'est, quoi, c'est qui le mec le plus connu de ton répertoire? Ouais. Bah, en fait, j'ai des numéros très connus, mais c'est des gens que je connais pas. Ah ouais. Ah, mais, non, mais justement, je m'en fous. Non, non, un mec. Non, mais je peux, j'ai des trucs, c'est spectaculaire, quoi. Ah ouais, bah, vas-y, fais rêver, fais briller un peu. Attends, déjà, j'ai à peu près 4000 téléphones là, dans mon téléphone. Comment on se construit un réseau, Nabil, au fur et à mesure? Il nous reste 10 minutes d'émission, frère. On taffe et on ferme sa gueule. Ah ouais. Ah ouais. Tout l'inverse de toi. Par exemple, quoi. Mais comment on fait pour fermer sa gueule pour sortir des téléphones? Par exemple, regarde. Allez, on va faire un jeu. Allez. Chacun me donne une lettre. Ouais. Et à la lettre, je vous dis le mec le plus connu. Allez. Vas-y. H. C'était une série, ça, non? Oui, ouais, c'est une très bonne série, très belle sitcom. Jamais loué, mais... Je m'en bats les couilles. Ah ouais, d'accord, il est enroulé, lui aussi. Ah ouais, il est enroulé, lui aussi. Fais pas chier. Ah ouais, d'accord. Non, je te taquine. H. C'est qui? Alors, attends. Ouais, c'est... H. C'est super. Tu devances très bonne lettre en même temps. Non, mais j'en ai tellement. Bon, ah. Attends. J'ai fait un Mourad le Sphinx. Mourad le Sphinx, tu le connais? Ouais, je le connais. Oui, va. Et Hamza le... Non, Hamza le voiturier. Non, mais Mourad le Sphinx, c'est rue de la Gaîté. Hein. Je pense que t'es au courant. Non, c'est un bon mec. On le salue. Ouais. Mais et donc, tu crois que j'ai une fois une info On va avoir le jeu là où. Nabil, t'as lancé un jeu. Ouais. Moi, je te donne les commandes de l'émission. Digression. Nabil. Erdan Crespo. Mais non. Oh. Crespo, c'est son nom de famille ou c'est Erdan? Non, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Regarde, vrai ou faux? Genre, tu l'appelles en Erdan Crespo en direct. On peut essayer, mais là, avec le décalage horaire. Je kiffe ce joueur. Comment tu peux avoir le numéro d'Alain Crespo, en fait? Je connais du monde. C'est son numéro argentin ou italien? 39. Je sais pas ce que c'est. Indicatif. Le A. Bon, je vais éviter Abdennour. Ouais. Plus, il te ressemble un peu. Ouais, c'est pas fou. Il est chauve, quoi. A. Abder déménagement, non. Non, M. Pardon? M. Super ce jeu, hein. On se marre. Ce jeu est pas gênant. Marez. Là, je t'appelle Riyad Mahrez, il répond. Direct avec Marez. Demande-moi S, s'il te plaît. S. S au hasard, S. Au hasard, S. Slimani. D'accord. Est-ce que si t'appelles Islam, il te répond là? Là, il est 6 heures de moins. Bah, il te répond là. Là, déjà, j'appelle pas les gens. Ah ouais, je les dérange pas. Ouais, t'as rien. Je leur mets un message et je leur demande si je peux les appeler. Bien sûr. Donne quelques points de savoir-vivre. Et voilà, mais après, nous, c'est notre boulot, comme vous, de toute façon. Bien sûr. Donc, après, avoir les numéros des joueurs, c'est pas une fin en soi. Ah ben, c'est qu'on te réponde et qu'on te parle. Bah oui, voilà. C'est des numéros qui te servent. Oui, voilà, et j'en ai quand même. C'est par exemple, moi, le mec. On va dire que j'ai quand même. T'as le numéro de Jamel Belmadi? Ouais, je l'ai. Mais par exemple. C'est officiel pour Bellegarde, à Volvo. Non, mais regarde, sans forcer. Ah ouais. Ah non, mais attention là. C'est qui ça? Ah ouais. On est sur du client là. Moi, par exemple, le numéro le plus connu que j'ai, c'est Paolo Maldini. Ouais. Bah, c'est la classe. Ouais, mais il me sert à rien. Là, je suis en train de voir, il y a du champion d'Europe là. Non, mais sans forcer. De football. Vas-y, bah dis. Bah, Carlos Tevez. Ah ouais. Ah, après, Carlos Tevez. Cédric Bakambu. Monsieur. César et Prandelli. Non, mais après. Ah ouais, d'accord. Okay. Et puis, allez. Attention, si vous avez besoin d'un numéro. Céline Impôt aussi. Tu vois le gars. Ouais, c'est une copine. Chalot, tu connais? Chalot. C'est l'entraîneur du Paradou Athletic Club en Algérie. Ouais. Allez, on avance, on termine bien l'émission. Charles. Vous pensez que Salah peut partir là, avant le 20 septembre? Ça paraît compliqué. Moi, je dis plus rien. En fait, la question est de savoir quand Salah va partir de Liverpool. Parce que avant le 20 septembre. Non, mais au plus tard, c'est l'été 2024. Aujourd'hui, dans la position de Liverpool, parce qu'il y a la logique économique, bien évidemment, mais il y a surtout la logique sportive. Liverpool ne peut pas se retourner. Et à partir du moment où ils ne peuvent pas se retourner, ça me paraît... Tu penses que Liverpool ne peut pas vivre sans Salah? Tu vois, son début de saison, c'est encore le meilleur. Ouais. Ah si. Ah, t'as étoffé la ligne offensive sur les derniers mercato, mais lui c'est quand même vraiment le joueur. Et puis même si de temps en temps il est un petit peu moins prolifique par rapport aux défenses adverses, comment on conditionne les adversaires. Enfin, moi je trouve quand même toujours un game changer. Et puis l'année dernière, on dit qu'il fait une saison moyenne. Enfin, il est quand même toujours dans les top buteurs de la première ligue. Hein. Okay. Donc, allez, on va terminer avec un club qui... 150 millions à 31 ans. C'est sûr que... On va terminer avec un club qui s'est pris pas mal de râteaux. Ce soir, c'est le Bayern Munich. Palinha,
Qu'est-ce qui s'est passé? Et Bela Ketchup. Mais la Kochap, ils vont quand même s'en relever quand même. Oui, non, mais voilà, ils étaient quand même là-dessus. Par contre, le fameux 6 dont Thomas Tuchel parle depuis des semaines parce qu'il estime que Depuis le début du mercato, qu'on pourtant gagné une Ligue des Champions en faisant double pivot, ça lui va pas. Bah, je pense que Palinha, ça aurait pu être intéressant parce que franchement, il a montré vraiment sa valeur en première ligue. Il s'est tout de suite mis au Mais surtout, ça parce qu'ils ont mis trop de temps à finaliser les documents officiels et en Bundesliga, c'était 18h. Et donc, ils ont fait séance photo et tout. Hein. Non, mais c'est surtout que Follam n'avait pas trouvé de remplaçant. Et ça, c'est problématique. Mais pourquoi tu te réveilles le 31? Ouais, mais justement, parce qu'en fait, ça. C'est ouf. Parce que tu veux tordre des mecs comme ça. Non, mais c'est tous comme ça. Tous. C'est ouf. Non, mais parce qu'ils ont intronisé leur nouveau directeur sportif il y a quelques jours, Freud, qui était notamment du côté de l'Autriche. Mais surtout, ça casse une idée reçue. Parce qu'on a souvent mis en bel exemple, le Bayern, qui est un modèle de planification. 1er juillet, tu avais toutes tes recrues. Ça la fout vraiment mal que le Bayern, qui a besoin notamment de recruter à ce poste, fasse rater sur les deux Après, pistes. Moi, honnêtement, même si là, ça aurait été évidemment la cerise sur le gâteau d'avoir Palinha, mais à partir du moment où tu as réussi à faire venir Kane au bout d'un feuilleton et où tu le payes quand même, je trouve, pas une somme excessive par rapport à ce que sont les prix du marché, moi, je veux bien qu'on me dise que le Bayern, leur mercato, pour moi, les postes principaux, à cette exception-là près, pour moi... l'effectif qu'ils ont déjà. La réalité, c'est que dans la planification sportive, tu vas attaquer notamment 3 compétitions, tu as 3 milieux de terrain et tu as un latéral droit. Ils peuvent aller jusqu'à la mi-saison comme ça. C'est quoi les 3 milieux de terrain? Les 3 milieux de terrain, aujourd'hui, c'est Laimer, c'est Goretzka et Kimmich. Et en plus, ils ont fait Laimer. Ils ont des jeunes. Et en plus, ils ont fait Laimer. Mais Laimer, il peut couvrir le poste de latéral droit et le poste de milieu de terrain. Non, mais ça va, ils sont pas là. Le Bayern, depuis 2-3 ans, fait quasiment à chaque fois 6 sur 6 dans ses poules de Ligue des Champions. Ils survolent. Non, mais comment ça peut être? Non. En demi-saison, si c'est pas. Au contraire, je trouve pas tes excuses. Je trouve que ça la fout vraiment mal par rapport. Tu vends Gravenberch alors? Hein? Bah, pose-moi la question. C'est pas un 6. Pourquoi? C'est pas un 6. Pourquoi? Bah parce que Kimmich il peut pas jouer 6. Bah pas, visiblement pas pour Attends, Thomas Tuchel. Je sais pas, tout le monde dit que c'est un des meilleurs terrain. Non, mais encore une fois, il y a une demande de Thomas Tuchel, je vous rappelle que en la début demande, c'était le numéro 9. Non, je vous rappelle qu'en début de mercato, ils sont sur Declan Rice. Ils sont sur Declan Rice qui finalement décide de rester en Angleterre et d'aller du côté d'Arsenal. On met en veille ce dossier parce qu'on se concentre sur Kane. Declan Rice, c'est 120 millions d'euros quand même. D'accord, mais toujours est-il que... On n'aurait jamais payé pour ce joueur-là. Non, mais toujours est-il que... Il ne voulait même pas mettre 100 millions pour Kane. Tu mets toute ton énergie sur Kane. Kane, c'est le 12 août que c'est finalisé. Et entre le 12 août et le 1er septembre, je suis désolé. Excuse-moi, Elton. Mais Guerrero, Kim, Laimer, Harry Kane, je trouve... On vient de parler du Real il y a 15 minutes. Moi, je vous trouve très conciliant sur un club. Guerrero, il peut jouer, il peut jouer au milieu de terrain. Je vous trouve très conciliant sur un club qui a l'objectif d'aller loin en Ligue des Champions et qui, par rapport à planification. Mais tous les clubs. On arrête les amis. Allez, on va terminer cette. C'est pas comme si l'année dernière, leur planification sportive, notamment sur le sujet de l'avancement, leur avait pété à la gueule. Alors peut-être que ça aura pas aussi. Mais t'as Kimmich, mon pote. On termine. Mais Kimmich, c'est un mauvais joueur. Non, je te dis pas ça. Ouais, là, on relance, sinon on va mettre. Je te dis, ça la fout mal pour le Bayern de se louper sur deux dossiers. C'est la fin de ce live spécial Mercato, tour de table, la recrue qui vous excitera le plus cette saison, Nabil. En quel championnat? Tout ce que tu veux. Slimani à Curitiba au Brésil. Non. Tu vas regarder les matchs? Pardon? Tu vas regarder les matchs? Bien sûr que je vais regarder. Tu vas regarder les matchs? Je vais regarder les matchs contre Arouca avec le Sporting. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu prononces une fois comme il faut le nom du club. Juste ça. Curitiba. Curitiba. Ouais, c'est pareil. Voilà. Non, en Ligue 1, je dirais... Qu'est-ce qui m'excite en Ligue 1? Balogun à Monaco, c'est pas mal. Je l'ai déjà vu à Reims. Oui, mais là, moi, j'aime bien les nouvelles têtes, tu vois. Bah, pourquoi pas le Ghanéen, là, qui vient de signer à Lyon, dont tout le monde... Nyama. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Elton, il y a en France, en Europe, voilà un joueur, ça, tu vas te dire, je vais me regarder les matchs, j'ai envie de le voir. Joao Félix? Plutôt du côté de Girona, il a bien commencé la saison. Savinho. D'accord. Nicolas Savinho? Savinho? Ouais, Savinho. Moi, pour moi, qui a... Non, mais vous 58 ans quand même. Ah non, mais parce qu'il est passé à Nantes. Ouais. À 3. C'est un recrutement City Group et. C'est pas celui qui était champion de France avec Nantes.
Non. International U20 brésilien qui démarre bien avec Gironi. C'est lui vraiment dans... Ouais, genre c'est ta recrue de l'été, quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est vraiment lui. Ah ouais, d'accord. Bah non, donc, en fait, c'est ma question. Tu rigoles. Mec, t'es sérieux, etc. Excuse-moi, j'ai droit. Ouais. J'ai droit à minuit 29 de rigoler un peu. Bien sûr. J'ai droit. Bien sûr. Tu m'accordes ce petit biscuit. T'as tous les droits, Bogot. Tu m'accordes ce petit biscuit, ce petit clé. Allez, tu peux manger ton biscuit. T'as tous les droits, bel homme. Walid. Merci. Non, sinon, c'est Kane. Moi, j'ai Harry Kane au Bayern. J'ai joué au Félix au Barça. J'en ai dit un, tu t'arrêtes là. Eli Wahi à Lens. Et Mohamed Bayo. Et Nouama, on n'a pas parlé de Mohamed Bayo. Et Kudus aussi. Bah, t'avais qu'à le dire dans ton truc, mon petit coup, le machin. Kudus, là, il est bon, lui, hein. Putain, c'est qu'à signer à West Ham, là. Exactement. Kane. Ouais. Kane, original. Très bien. Ouais. C'est tellement un joueur incroyable. Merci. Un dernier nom, quand même. Et celui-là, je vous invite et je terminerai là-dessus. Slimani. À le suivre de très près. Slimani, c'est Murillo, là, la doublure à Marseille. Et on m'en a dit vraiment du bien. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment des capacités athlétiques. T'as peur pour Jonathan Clauss ? J'ai absolument pas peur pour lui. Et j'ai en revanche très peur pour l'OM quand ce garçon sera sur le terrain. Ah ouais, carrément. Et je préfère pas vous dire. Après, tu l'as vu avec Slimani ? Alors, j'ai suivi l'année dernière Anderlecht, c'est vrai, parce que je regardais les matchs de Slimani. Il y a deux mecs que j'ai repérés. Amouzou, qui est un bon joueur. Francis Amouzou, on le connaît très bien. Je ne sais pas s'il a signé quelque part. On le connaît très très bien, il est Anderlecht. On a suivi ses matchs l'année dernière. Bon, mais c'est pas une blague. Non, c'est comme ça que j'avais découvert Gift Orban sur un match face à la Grand Ouest. Okay. Et là, je vois un mec à droite. Et là, j'ai vraiment... Si ce mec-là, il signe à 3 millions d'euros à Marseille... T'as Van der Kerkhoff qui arrive de Bastia, c'est à quelques heures de Marseille en bateau, ils vont pas le chercher. Par contre, ils vont aller chercher un mec qui est une arnaque à Anderlecht, non, à 3 millions d'euros. Mmh. Moi, ça me surprend. Mmh. Alors après, peut-être que c'est les datas, c'est peut-être parce qu'il court. Mmh. Ils l'ont pris parce qu'il court. Mmh. Voilà, le football d'aujourd'hui, enfin, c'est tout. Enfin, les championnats du monde d'athlétisme, c'était la semaine dernière. Allez, on va terminer sur une dernière dans la mercato. C'est officiel, Randal Kolo Muani est un joueur du Paris Saint-Germain. Bravo. Francfort l'a annoncé. RKM. C'est officiel. Et on termine. On a commencé avec RKM. On termine avec RKM. Nabil. Ouais. Merci. Rendez-vous mardi pour le premier quiz de ton histoire, de la saison. Il faut venir habillé, enfin, d'une certaine. Tu viens bien comme smoking, tu veux, Nabil. Non, c'est smoking. Faut venir sans. Il y aura plein de jeux. Ça va être deux équipes de trois. Ça viens habillé parce qu'on va te mettre en slip. Hey, s'il y a deux équipes de trois, on va se faire chier parce que l'équipe de trois déjà. Ah, oui. Déjà une. De trois, alors deux équipes de trois. Avec qui tu manques. C'est la merde. Qui s'en va. Non, mais avec grand plaisir. Donc, je fais avec qui. Alors, est-ce qu'il y aura Sofiane déjà? Il sera drôle. Normalement, il y aura Sofiane. Ouais. Ah, bah c'est cool alors. Ça te fait chier si on est là, nous? Ouais. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Sinon, vous faites un quiz à deux. Non, mais il y aura qui? Je t'annonce, tu seras capitaine de ton équipe. Oh putain. Et tu vas choisir qui sera avec toi. Ok, bah je prends Elton déjà. D'accord. Merci. Ça sera un quiz spécial mercato. Ouais. Ce mercato et l'histoire du mercato. Ah, bah c'est super. Voilà. Mardi à quelle heure? Mardi, je sais plus, 13h. Il faut qu'il le sache. Bah 13h, comme d'hab. 13h. Ah, ouais, d'accord. Okay. Mardi 13h, le premier quiz de la saison. Notez-le bien, il y a 3000. J'ai un pote là qui me. Il y a 3000 personnes, notez bien. Mardi 13h, le premier quiz j'ai chaud, de la saison du WFC. Merci Nabil. Ouais, Nabil, on s'appelle Kevin, qui va l'inviter à Carrière sous Poissy pour Carrière sur scène. Pour faire du sport au footwork. Ouais. Je sais pas, il m'envoie tout le temps des messages. Nabil, à chaque fois, là, ce message. Ouais. Mais encore une fois, il me demande. Ouais, appelle-le, tu lui donnes ton numéro. Tu veux que je te transforme? Merci, Tid. Merci. Merci, Elton. Merci, mec. Merci. Franchement, t'es un beau gosse. Merci à Arthur et Paul en régie. Merci à Numa au bureau qui m'a envoyé toutes les infos. Merci à vous, évidemment, les Winamis. Vous avez été au top. Rendez-vous demain midi, WFC. Ça sera sur Marseille. Et peut-être le Bayern qui joue aussi demain. Bref, merci à vous, vraiment. Et un dernier truc, merci. Allez. Gros bisous, ciao. Allez, ciao. Ouais, t'as grave.